Salut à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-jeu, bienvenue. Comme d'habitude, hein, un plaisir de vous retrouver tous les lundis, sachant qu'on a vécu un week-end de foot incroyable quand même, on peut le dire. Alors incroyable sur le papier, sur les affiches, parce qu'on vient juste d'en parler hors antenne. C'est vrai que sur le papier c'était top, mais on va pas se mentir, et comme nous ici bah, on est très premier degré, on dit ce qu'on pense. C'est vrai que finalement on a été quand même un peu déçus, on va pas se mentir. Il y a eu certains matchs qui nous ont, on s'attendait à autre chose et finalement on a eu ce qu'on ne voulait pas, presque parfois des non-matchs, hein. Donc voilà, on va en parler, vous serez très nombreux à passer dans cette émission. On s'est dit que vu que voilà, il y avait plein de matchs à débriefer, plein de très très grosses affiches. Tu veux notre tablette, Braque, aussi? Non, c'est bon. Je t'es savais. J'ai l'impression qu'il te manque un truc, non? Laisse-moi avec mon cockpit, laisse-moi. On s'est dit que ce serait pas mal de vous faire venir nombreux et venir donner vos avis. Voilà, l'émission elle va être vraiment plus ouverte que jamais aujourd'hui, donc ça va être très intéressant. On est avec Bruce Granek, bien sûr, qui est là, vous l'avez reconnu, l'host de la chaîne. Comment ça va, Bruce? Bon, écoute, ça va très bien. Nantes a gagné et confirme que c'est une très bonne équipe de ce début de saison. Ouais. Et Milan, bon, même si ça a été très difficile, s'est imposé, c'était pas un beau match, donc week-end parfait pour moi. On peut dire que ça a été même très spécial. Juste un truc, je veux éclaircir quelque chose, Bruce, parce que je vois des gens qui viennent sur mon chat commencer à m'appeler Prak. C'est quoi le délire avec le P, la Prus Pranek? Qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, tu connais pas? Non, je suis pas au courant. Ouais, Penaldo, Pessi, tout ça. Bah ouais. Ah d'accord, Bruno, ça vient de ça. Ça vient de tout ça. C'est vrai que toi, Prak, on va t'appeler maintenant, en plus, vu que t'es une fraude. Non mais c'est vrai. Et Braque, ah, je savais pas. Les gars, Braque, il m'a dit, vas-y, vu qu'on sait déjà que Manchester United finira derrière Chelsea, Liverpool et City, tu me dis ton maillot et je te le commande déjà. J'ai choisi le maillot du shérif, les gars, le cœur. J'hésitais entre le shérif et Newcastle, mais je vais peut-être statuer pour le shérif. D'accord, non mais franchement, je savais pas. C'est... D'accord, j'avais pas du tout fait le lien. Ok, c'est très clair. Salut Zal, comment ça va? Bah, ça va et toi? En forme? Toujours, hein. Ouais, ton petit classico là, hier. Ah, c'était pas fameux. Hein. C'était pas fameux? Ouais. Ouais. Fallait être marseillais pour apprécier le match, je crois. Ouais, bizarrement, j'ai l'impression que les supporters marseillais ont plus kiffé ce match que les supporters français. Ouais, encore, pense, hein. C'est un bon résultat. Oui, mais ils ont eu peut-être un peu plus d'émotion. Oui, parce que tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même des trucs, mais bon, on va en parler après. Mais ouais, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop respecté le PSG à un moment, parce que je pense qu'en accélérant ou quoi, ils auraient peut-être pu gagner ce match, c'est mon avis. Un peu dommage du coup. Ok. Et on est bien sûr aussi, on n'est pas que trois, hein. On est aussi avec Zach Nani qui va passer toute l'émission avec nous. Il est juste resté dans son studio, mais il est bien là. Salut Zach. bien le bonsoir les amis. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler foot. Alors je suis à distance, malheureusement. Oui. J'aurais aimé être en plateau, mais c'est pour des raisons de convenience. Donc je remercie la régie et la team hors-jeu de m'accepter comme je suis. Ouais. C'est pas grave. Ça s'est joué à rien. T'as le tableau là de gare, de train où t'as mis team hors-jeu. On a vu la petite attention, t'inquiète. T'as kiffé ou pas le petit team? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'était vraiment pour faire le faillot. Pour se faire pardonner. Non, c'est bien le petit écran comme ça, personnalisable. Franchement, ouais, ça rend bien dans ton petit décor. Mais en tout cas, merci Zach d'être là, comme d'habitude. Et puis, bien entendu, voilà, hein, week-end très particulier pour toi aussi. Hein, gros ascenseur, on peut le dire. Tu vas nous donner un petit peu, voilà, tu nous donneras ton ressenti sur ce qui s'est passé dans ce match entre Nice et Lyon, bien entendu, et sur tous les autres matchs, hein, bien sûr. Alors l'occasion pour moi de vous rappeler, bien sûr, que comme d'habitude, on est avec PMU pour vous proposer cette émission, et on a une cote boostée aujourd'hui, une super cote boostée, un match de Ligue 2 Auxerre contre Bastia. Il faut que Auxerre remporte les deux mi-temps. La cote passe de 5 à 6. Super cote boostée, Bruce et Braque. Merci.
à nos amis de PMU de vous proposer ça. Bien sûr, vous avez tous les codes de bienvenue. Prusse et Prac, ouais. On va l'appeler la super code boostée Prusse et Prac, tellement elle est frauduleuse en général. Voilà, le code de bienvenue, bien sûr, Bruce, avec les 100 euros offerts si jamais votre pari est perdant. Canto n'est pas là avec nous aujourd'hui sur le plateau, mais il est jamais très loin. Il sera là pour venir parler de OM-PSG. Il viendra juste donner son avis sur ce match. Non, c'est vrai, hein, il a dit Brac, t'es au collège ou quoi? C'est vrai qu'on dirait, tu sais, les films de Spielberg avec la casquette, la chemise, il a une dégaine des films de Spielberg un peu à la E.T. ou quoi, tu vois, des colliers à l'ancienne, tu vois, jeune élève, c'est vrai? Ah, elle est stylée ou pas? T'as changé depuis que t'as la radio. Terrorise la cour de récré, Brac. J'aime bien la conclusion, t'as changé depuis que t'as la radio. Mais n'importe quoi. Bah, je sais pas, tu trouves ça comment, Zach? Ça va, c'est stylé? Moi, je t'ai dit, je trouve que tu terrorises la cour de récré, gros. Ah ouais, c'est vrai. Là. Bon, j'avoue, j'ai déjà voulu dégoûter. Je veux pas mentir. J'avoue, des petits 4 quarts comme ça, j'ai déjà goûté. Non, je rigole. Non, mais ok, écoutez, les amis, je pense qu'on va commencer histoire de gagner le maximum de temps parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez être très nombreux à passer. Regardons le classement de la Ligue 1. Le PSG, bon, qui garde la tête, bien entendu. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Juste devant le Racing Club de Lens qui tient Lens finalement. Moi j'en ai entendu parler ce week-end, mais en vrai on peut plus parler d'une équipe promue, d'une petite équipe. Lens, c'est du sérieux maintenant. Voilà, ils confirment, ouais, cette saison. L'année dernière, c'était la belle surprise et bah, ça confirme. Puis en plus, ça joue, etc. Donc, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Et oui, au final, ce n'est pas une surprise et on peut peut-être s'attendre à les voir s'installer sur la durée en haut du classement. Alors, jusqu'à quelle position, on ne sait pas, on verra. Ouais. Mais en tout cas, ça ne nous surprendrait pas. Peut-être qu'en fin de saison, ils soient très bien classés, européens, et ça serait peut-être mérité. Et je remarque quand même qu'il y a Nantes devant Monaco, Lyon et Lille. Hein. Je tiens juste à le préciser, j'en profite, ça ne durera peut-être pas, mais tranquille. J'aime bien, il y a toujours le petit cran de sécurité à chaque fois dans les paroles de Bruce. Zach, Lyon qui pouvait être potentiellement troisième ex aequo de ce championnat. Ouais. Grosse frustration, on va en parler après, hein, mais grosse frustration quand même de voir Lyon finalement rester neuvième alors qu'il pouvait largement être troisième, quoi. Oui, là vraiment c'était une semaine parfaite si la victoire était au bout parce qu'on avait un match difficile contre Monaco à la maison qu'on avait gagné, le déplacement au Sparta qu'on a gagné également en remontant. Et là, pour le coup, bah, la dernière fois, on a remonté. Là, on s'est fait remonter. Et j'ai de bons regrets parce que, franchement, pour quiconque a vu le match, sur les 80 premières minutes, Lyon a quand même globalement beaucoup dominé. Largement. En première mi-temps, il y a eu que quelques petites occasions niçoises qui résultaient souvent de frappes de loin. Mais dans le jeu, franchement, et je le dis, tu sais, parce que j'ai fait un débrief déjà dessus, mais je le dis pas pour encenser mon équipe, mais Nice était très peu dangereux au global et faisait un match, je trouve, quand même un peu décevant. Ils attendaient souvent derrière sans trop presser, etc., pendant que Lyon maîtrisait plutôt pas mal. Après, le truc, c'est qu'on a, comme d'hab, raté beaucoup d'occasions. Il y a Tino Kadewere qui en a raté, qui en plus a livré une copie absolument calamiteuse. C'est-à-dire de sa première minute à son carton rouge final, c'est quelque chose qui a été assez terrible de sa part. Et un grand regret que j'ai quand même, parce que même si je ne vais pas dédouaner certains joueurs de leurs responsabilités, notamment par exemple des Kadewere ou par exemple Emerson qui provoque un pénalty qui est quand même assez bête, je dirais quand même que même s'il a fait du bon travail, et ça s'est senti sur les 80 premières minutes où c'était un des matchs les plus aboutis de la saison, c'est que Peter Bosch, il n'a pas fait de changement avant la 85e. Pour le coup, sa lecture de match, elle a vraiment été absolument calamiteuse. Non, mais là, tu spoiles un peu, là, Zach. Il y a Paqueta qui réenchaîne. Tu spoiles un peu, là, parce que là, t'as déjà commencé ton débrief alors qu'on était juste sur le classement. Bah, laisse-le enchaîner, comme ça, il parle de nous. Oui, non, mais... On peut enchaîner. Non, mais j'ai mal compris, je pensais que tu voulais que j'y aille. Non, je voulais juste qu'on fasse le petit point sur le classement. Après, bien sûr, t'inquiète, tu auras l'occasion de dire tout ce que t'as à dire. En vrai, qui t'a mis un stop sans pitié, il fallait le laisser continuer. Non, pas du tout, mais tu sais, c'est pour un petit peu cadrer les choses, c'est tout, il y a aucune répression. Tu fais ton travail, monsieur Brac, moi, je n'ai aucun problème. Bien sûr. Ah, tu vois, quand t'es à distance, là, il te met des coups de pression. Quand il est à côté, Zach, il t'aurait pas stoppé, là, Zach. Mais à distance, c'est comme sur les réseaux, là, il parle mal, il fait style, il sait que t'es loin, mais quand t'es prêt, il est plus docile. Il a raison, ce que tu vois pas, c'est comme il est à côté de moi, je lui mets des petits coups en dessous, tu vois. Mais oui, donc voilà. Des petits coups de pression. Voilà, exactement. Je voulais dire aussi, en fait, que oui, en effet, si Lyon avait gagné, il serait troisième tout seul, vu que c'était contre Nice. Donc voilà, c'est. Mais là, c'est la faute professionnelle. Parce que leur fin de match, c'est pas possible de faire ça, Lyon. Ouais, okay, oui. On en reparlera. Zal, le PSG toujours premier, toujours en tête du classement. Malgré tout, c'est drôle, mais personne n'est satisfait en fait. C'est bah fou. Ouais, honnêtement, je sais pas comment on fait pour être premier avec un jeu aussi insipide, quoi. C'est vraiment
Bah pour être vulgairement, enfin pour être vulgaire, c'est un jeu dégueulasse quoi. Et bah vu les qualités, enfin la qualité de l'équipe, c'est quand même affligeant de voir une équipe jouer de la sorte. Et moi ça me fait peur, hein, honnêtement. On arrive à s'en sortir en Ligue des Champions, c'est un peu l'objectif, on va pas se mentir. En championnat, on est promis du championnat, je sais même, c'est du domaine du miracle presque, j'ai enfin j'ai envie de dire ça. Non, ça fait peur quoi. Ça fait peur. Après, alors on est premier en jouant mal. Alors le jour où ça démarrera, peut-être qu'on pourra enchaîner des vraies victoires. Enfin, on veut voir du jeu, c'est ce qu'on attend du PSG. Et pour l'instant, ça démarre parce qu'il y a... on voit rien du tout. Et je maintiens ce que je disais avec Pochettino. Je suis toujours pas convaincu et je me demande quand est-ce qu'il va réussir à me convaincre. Mmh. Parce que ça fait peur. S'il lui faut 2 ans pour construire une équipe. Franchement, il a de la chance parce que dans le foot d'aujourd'hui, au bout de, enfin, tu tiens pas 3 mois avec un jeu comme ça. On va en reparler. Tu voulais dire, Bruce ? Non, tranquille. Je voulais parler de. Il a tout dit. On en parlera après. On va reparler de tout. Hein. Oui. Zach qui parlait de Peter Bosch qui avait pas fait des changements quoi. Ben franchement, je crois qu'on a un entraîneur encore plus faible, enfin beaucoup plus faible que celui de Lyon. Enfin, on a peut-être l'entraîneur le plus faible de Ligue 1, j'ai envie de dire. Après, ce qui est ouf, c'est qu'à Paris, tous les entraîneurs, t'as l'impression ils sont nuls. Non, mais c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut se méfier. Mais Pochettino, je suis vraiment pas fan. C'est celui que j'ai le moins aimé en si peu de temps qui était au PSG. T'étais très dur avec Tourelle. T'étais. Oui, mais c'est pire. Bah, tu vois, moi, j'étais dur avec Tourelle. Et ben, franchement. Mais c'est pour ça que Brack, il avait perdu le fil, Tourelle. Mais en vrai, c'est pour ça que je te dis. Tous les entraîneurs qui passent à Paris, t'as l'impression que c'est les pires entraîneurs tout le temps. C'est bizarre quand même. C'est une impression. Ce qu'il y a, c'est que... Après, Pochettino, j'aimais déjà pas ses changements, même à Tottenham et tout. Tu vois, il avait fait des trucs, on en parlait, ou sur le coaching, même en finale, ou je sais plus. Moi, j'étais déjà pas un énorme fan, perso. Mais là, c'est pire. Mais ouais, c'est bizarre quand même. Moi, pour Pochettino, ce qu'il avait fait avec Tottenham, quand Lucas met le triplé contre l'Ajax, hein, je crois. Ouais, l'Ajax. Ouais. Ne pas le mettre en finale, franchement, c'est le plus grand manque de respect. Coaching, il a tardé, il avait eu des fois, il fait des trucs. Enfin, Pochettino, de toute façon, là, ce qu'il fait avec Messi, si c'est pas des consignes qui viennent d'en haut, c'est que le mec, il aime absolument pas le foot. Et faut même un entraîneur district, il comprendrait en deux secondes. On sent que ça t'a pas plu. Non, mais même un entraîneur district, il comprendra en deux secondes que Messi, il y a qu'un poste où faut le mettre, c'est dans l'axe. Il a cru, il avait les jambes de 20 ans pour le coller à la ligne ou quoi. J'ai jamais vu ça. Mais un niveau d'incompétence, si ça vient vraiment de lui. Mais ils connaissent le foot à Paris, ou sous la direction, le mec le dégage sur le champ. Tu prends Messi pour le bloquer sur un côté, mais qui peut faire ça? Il fallait pas le prendre, mais non, c'est un niveau d'incompétence, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour te donner encore plus raison, on a joué avec 4 offensives, donc il aurait très bien pu jouer dans l'axe hier. Mais apparemment, Mbappé, il va absolument jouer BU, parce que bon, j'ai l'impression que c'est lui qui a les clés du camion, ok, tranquille, mais c'est pour ça, il faut le mettre neuf, voilà, de toute façon, c'est lui qui va vous faire gagner tous les matchs, etc., et on l'a vu encore hier, je sais pas, c'est lui qu'il faut mettre absolument en neuf. Et je sais pas, Neymar, vu l'état de Neymar ou ce que tu veux, bah, soit faut qu'il fasse des lives, il faut peut-être le mettre sur le banc, je sais pas, tu mets Di Maria, limite Mbappé, Messi, tu fais quelque chose. Mais Messi, si tu l'as fait signer pour le mettre sur le côté, ça servait à rien. Messi, c'est déjà fini, il va flopper, c'est fini, il fera rien. Dans cette équipe, il fera rien. Bon. Tu peux pas combiner, tu peux pas jouer au ballon. Si ça reste comme ça avec Pochettino et tout, et qu'il le laisse sur le côté ou ce que tu veux, et que Messi, quand il essaye de combiner, les mecs, ils savent même pas remettre une passe dans le bon tempo, jouer simple, ça veut garder le ballon 10 ans au lieu de jouer simple, moi je te le dis, ça sera un flop monumental. Et le PSG avec. Zach, vas-y, je te laisse répondre à Bruce. Moi, je serais juste pas aussi définitif, même si je respecte son avis, juste parce que le foot, ça va très vite, on le sait, et ça peut vraiment virer d'un côté à l'autre en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un nouvel entraîneur, un nouveau dispositif, je sais pas, trouver l'équilibre différemment, ça peut réellement donner quelque chose de différent, donc j'irai pas aussi vite. Après, pour le coup, même Messi hier, je me permets juste la remarque, mais c'est-à-dire que je savais que dans son jeu sans ballon, c'était pas terrible, mais hier, il essayait même pas de se démarquer sur certaines lignes de passe, j'étais là, bon, le frérot, peut-être t'aimes pas jouer à droite. Bah parce qu'il doit manger la ligne. Ouais, mais il pouvait y mettre un petit peu du sien aussi. Ouais, mais bon, au-delà de ballon, ça, moi, ce que je veux dire... Franchement, Zach, après je te laisse enchaîner. Je suis désolé. Hier, Mbappé, il a fait des bons matchs les derniers temps. Sur tous ses déplacements, qualité de passe que tu veux, il faut arrêter toutes ses passes. À un moment, il y a une passe de Neymar pour trouver Messi. Il aurait pu partir au but. Mbappé, il prend la balle. Oui, on comprend pas pourquoi. Il la bloque. Enfin, je veux dire, Messi, dès qu'il essayait de combiner avec Mbappé, il lui mettait mal Mbappé. Je veux dire, moi, hier, et pourtant, j'adore Messi, tranquille. Hier, c'est pas un grand match du PSG, c'est pas un grand match de Messi, mais le seul qui réussissait
quelques passes, défauts, quelques trucs, j'ai l'impression que c'était Messi. Neymar, il ne met pas un pied devant l'autre. Et Mbappé, il foirait toutes ses passes. Donc, ces cas-là, remet Messi dans l'axe, au cœur du jeu. Il n'y a que là qui pourra servir et qui pourra faire la différence. Je ne sais pas, c'est évident. Vas-y, Zach, vas-y. Du coup, moi, la seule chose que je voulais dire par rapport au jeu du PSG, c'est que moi, je suis pas choqué des équipes qui essayent de jouer la transition, tu vois, et c'est ce que souvent Paris fait. Ne serait-ce que contre Leipzig à domicile, je trouve que tu dois être plus dominant avec le ballon parce que tu peux pas te permettre d'essayer que de faire de la transition, même contre Leipzig. Et ouais, c'est déjà quelque chose qui leur avait permis l'année dernière de battre le Bayern et tout ça avec un peu de réussite, mais ça avait fonctionné. Mais à côté de ça, en fait, je trouve qu'une équipe qui joue bien en transition, c'est une équipe qui sait attirer l'équipe adverse, tu vois, pour derrière ressortir correctement, même sous la pression. Et pour ça, t'as du Verratti. Et derrière, attaquer fort et de manière, on va dire, travaillée. Paris, j'ai pas l'impression que c'est travaillé ou maîtrisé. J'ai l'impression que tu vas beaucoup subir et qu'à des moments, effectivement, tu as une petite transition qui peut s'enclencher, mais la plupart du temps, c'est même pas propre. Et quand ça le fait, c'est beaucoup plus par tes individus, par Mbappé, tu vois, par Messi, par une passe, par quelque chose. Mais c'est pas des circuits vraiment travaillés ou quelque chose où tu te dis, ouais, je vois où il veut en venir, tu vois. C'est de la transition mal foutue, tu vois. Non, mais en fait, une équipe qui faisait de la transition inutile aussi. Une équipe qui faisait de la transition très bien. On se rappelle même à des moments, ne serait-ce que sur plein de phases, le Lille de Galtier, tu vois, un exemple concret. Hein, je dis pas que ça joue mieux ou quoi, c'est pas la question. Je parle d'une équipe qui jouait bien la transition. Eux, ils savaient le faire et c'était impressionnant quand ils s'y mettaient. Paris, ça manque vraiment de fou, de maîtrise. Et t'as vraiment l'impression que ça subit et que après, derrière, effectivement, t'as suffisamment d'individualité à un moment pour te sortir des choses et aussi de la réussite. Des fois, contre Leipzig, ils prennent deux buts. Enfin, il y a deux buts qui leur sont giftés, tu vois. Mais ouais, à l'heure actuelle, c'est vrai que dans le jeu, c'est un peu. Mais c'est pas terrible. Mais dans le jeu. Je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Ça, t'as l'impression, en fait, que c'est des phases de transition où tu te reposes essentiellement sur le talent sur des Mbappé, joueurs. Sur Mbappé, la vitesse et, en. Ouais, voilà, transition. Sur le talent des joueurs. Et même, en fait, c'est des transitions instinctives, comme si tu jouais au City, comme si tu jouais du foot de rue. Voilà, quoi. Voilà, c'est du foot de rue, c'est pareil. Pas une transition que de mecs qui s'entraînent 6 jours par semaine ensemble, tu vois. En ce moment, ça joue comme la plupart des matchs que tu vas croiser sur Foot Champions. Les mecs, ils subissent par moment, ils balancent un parpaing devant sur Mbappé, ça fait des grands coups droits. Et voilà, ça se résume à ça, Paris, alors que t'as quand même des joueurs de ballon. Au final, on est tous d'accord pour le dire. Et sans compter que Paris, en plus de ça, phase de transition, on le dit, mais défensivement, on a compris qu'Hakimi, parce qu'il y en a, ils vont le découvrir là, parce qu'ils disaient, oh, Hakimi, incroyable. Hakimi, offensivement, balle au pied, très très bon. Mais défensivement, il a des lacunes, on le savait déjà avant, ceux qui suivent la Serie A ou qui connaissent Hakimi. Et Nuno Mendes, on le sait, ça sera un peu pareil, il est jeune, etc. Franchement, heureusement que t'as Marquinhos qui tient la baraque, parce qu'en plus de ça, si encore c'était une équipe ultra solide défensivement, etc., tu te dirais, ok, peut-être en phase de transition, c'est solide, tu vois qu'ils ne concèdent pas trop d'occasions, mais même défensivement, c'est vraiment pas rassurant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Zal. Ouais, non, moi, ce qui me fait peur, c'est que Pochettino, il demandait qu'on le juge cette année, avec une vraie préparation, et ce qu'on voit, c'est qu'il n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'a pas de fond de jeu, on n'a rien du tout dans cette équipe. Et hier, par exemple, le coaching, il était calamiteux. Tu sors Di Maria alors qu'il y en a un qui c'est une charrette sur le terrain. Et... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Des noms, Zal. Hein? Des noms. Bah, il parle de Neymar. Voilà. Après, moi, Neymar. Il est à deux doigts de l'appeler Paymar. On est au mois de novembre, donc. On est au mois de novembre, je suis indulgent avec lui. Il faut lui laisser peut-être encore un petit peu de temps, le temps qu'il se remette bien. On dit ça tout le temps. Ça, non, mais ça restera. Pour moi, on l'a jamais connu comme ça, quand même. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Là, c'est inédit. Mais hier, franchement, de sortir Di Maria. Di Maria, le pauvre, quoi. Comment tu veux que. Ils mettent un pied devant l'autre si on ne le respecte pas comme ça, c'est compliqué. Non, mais c'est jouer avec quatre offensifs aussi, j'ai rien compris. Hier, j'ai vraiment pas compris. C'est sûr qu'il y a. Bon, après, les gars. En fait, il n'y a rien de cohérent dans cette équipe et ça fait vraiment. Et même le coaching, parce que Mbappé, et on le sait défensivement, on l'a vu avec Saliba, c'était solide Marseille. On sait que dans les duels, ils peuvent être pas mal et tout à ce niveau-là. Et regarde, du coup, Mbappé dans l'axe, c'est plus compliqué sur des matchs comme ça. Le côté, Mbappé sur le côté, il est bien meilleur. Encore une fois, je comprendrai jamais ça. Mais même lui, je comprends pas pourquoi il veut absolument ce poste, etc. Et pour moi, c'est criant qu'il est meilleur sur le côté. Je pense qu'il se dit qu'à terme, regarde, si tu réfléchis comme ça, il se dit qu'à terme, depuis l'axe, tu peux envoyer une plus grande variété d'appels et après, derrière, avoir une influence qui est différente. Et ça passe peut-être par une phase où pendant un an et demi, tu galères et t'apprends à fonctionner depuis l'axe en envoyant des appels différents. Et peut-être que t'es moins lisible. Tu vois, par exemple, à droite, t'es droitier, on sait que tu vas plutôt rentrer côté droit et
à la longue, ça peut être trop lisible. À gauche, on sait que tu vas rentrer dans l'axe et si tu as du mal, quand l'axe est bouché, bah, c'est un peu lisible. Si tu joues et que tu pars depuis l'axe et qu'il y a des appels, bah, tu sais que tu peux être tranchant, partir des appels croisés, tu peux partir à gauche, à droite. Enfin, tu vois, tu peux un petit peu modifier tout ça. J'essaie de deviner et de comprendre footballistiquement pourquoi, mais ça peut être ça. Tu vois. Je vois un peu ce que tu veux dire, mais honnêtement, je suis pas complètement d'accord dans le sens où justement à BU en général, et pour moi c'est pas un pur neuf Mbappé, ça sera jamais un pur neuf. Un BU, il doit scoltiner les DC, c'est super chaud. Quand tu peux le trouver en profondeur Mbappé, c'est fini, on sait qu'il va faire un carnage. Mais sur des matchs comme ça, où t'as des défenseurs assez costauds, où c'est un peu plus dur, tu le trouves moins dans la profondeur, bah son rendement tout de suite, ça sera pas la même histoire. Et en fait, quand tu pars du côté, pour moi, c'est encore plus dur à lire, parce qu'on le voit, Messi, Cristiano, pourquoi ? Même c'est des joueurs qui aiment avoir un peu de la liberté, mais ils aiment bien de temps en temps partir un peu des côtés, parce qu'en fait, tu te fais oublier un peu sur un côté, et quand ton latéral, il peut pas te suivre ou il doit te suivre, et que toi, tu rentres dans l'axe, ça fout le bordel vis-à-vis des DC, parce que les DC doivent déjà suivre un mec dans l'axe, ce qui fait que tu peux faire des appels en diagonale, et c'est très dur à suivre. Et pour moi, c'est comme ça qu'Mbappé peut être le plus fort, parce que s'il part en diagonale, les DC avant qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils réagissent, bah ça peut être trop tard. Moi, je le trouve vraiment meilleur vite, comme ça. Moi, je pense que j'ai bien aimé ma dernière trêve de la France quand il était à droite. Ouais, même à gauche. À gauche, il est bon aussi quand il est à gauche. Des fois, il rentre comme ça. Vous le voyez plus sur le côté, Zal. Moi, franchement, je pense qu'il réfléchit plus à sa ligne de stats. Il a envie de marquer des buts et le fait d'être neuf, il se dit j'aurais plus de chances de claquer un maximum de buts. Et il pense qu'à ça, en fait. Il pense qu'à ses stats. Et c'est comme en équipe de France où il a réclamé d'être le tireur de coup franc, de penalty. Mais en quoi il fera des moins bonnes stats en étant sur le coup franc? Moi, il ne marquera pas moins. Ça, c'est une erreur de sa part. En fait, il faudrait faire le ratio du nombre de buts qu'il marque quand il est sur le côté et du nombre de buts qu'il marque quand il est sur le côté. C'est une erreur de sa part. Il sera plus décisif en but passe D. Je suis d'accord avec Bruce parce que je pense qu'il a les qualités justement pour repiquer dans l'axe, comme un Cristiano qui était à Madrid, voire à Manchester, mais bon, Manchester, c'était il y a très très longtemps. Mais à Madrid, il était sur son côté et puis il repiquait dans l'axe. Il n'est pas arrivé dans l'axe du jour au lendemain, hein, Cristiano. Même Salah, cette saison et même sur ces saisons, a toujours mis des stats de fou en étant constamment sur le côté. Il est quasi le meilleur buteur au monde de toutes les dernières années, quasi tous. C'est à la base, on dit, des soi-disant et attaquants intérieurs. Moi, je pense qu'il est très mal conseillé. Et puis en plus, quand tu as un Messi qui a souvent joué neuf, en faux neuf au Barça, bah, tu pourrais très bien avoir un Mbappé sur le côté, mais si on faut neuf et un Neymar à gauche, par exemple, un Mbappé à droite, peu importe, ça peut switcher entre les deux et laisser Messi dans l'axe, dans le cœur, on va dire dans le cœur de l'attaque. En fait, moi je pense. Il faut que je reprenne la main parce que là on est en train de déposer le conducteur. Juste ouais, deux ans, comme il dit, juste 10 secondes. Vas-y, c'est quand même inquiétant. Vraiment 10 secondes. Moi je trouve inquiétant. C'est juste que je pense que ça profiterait à tout le monde. De toute façon, Messi, on a compris que sur le côté, il a plus sa vitesse d'avant. C'est une grosse erreur. Faut le laisser au cœur du jeu pour distribuer. T'as Messi dans l'axe. En faux neuf, zone morte, libre, ce que tu veux. Et rien n'empêche, par moment, on ne dit pas Mbappé de rester sur le côté. Mbappé, il peut rentrer dans l'axe ou Neymar de temps en temps. Et ce qui fait que ça sera dur à lire. Ça y est, avec Messi un peu plus bas, au cœur de tout ça, ça foutra le bordel et ça sera beaucoup plus dur à défendre, je pense, pour les autres. Et mieux pour eux, voilà mon avis, c'est tout. Ok. Non, mais en tout cas, on reviendra, on parlera de l'OM tout à l'heure. Ce que je trouve le plus grave là-dedans, c'est qu'on est tous de cet avis. Et qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je ne comprends pas. Ouais. Non mais moi non plus, hein, je comprends pas trop. On reparlera de ce match de toute façon tout à l'heure, mais du coup vu qu'on a beaucoup parlé du PSG, on parlera plus de l'OM tout à l'heure avec Kanto. Zach, on va revenir donc sur ce Nice-Lyon. Finalement, remontada incroyable de Nice. D'ailleurs oui, j'en profite parce que je voulais qu'on parle de Rennes aussi. Supporters rennais bien sûr, vous êtes les bienvenus dans l'émission. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la bonne forme en ce moment. Ils enchaînent bien en Coupe d'Europe, ça marche aussi très très bien. Et puis vous êtes très bien remontés en championnat, donc voilà, je pense que c'est le bon moment de parler de vous et de savoir un petit peu ce qui fait que vous êtes aussi en forme. Donc voilà, l'émission, elle est ouverte. On vous attend sur le Twitter, hors-jeu Twitch. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Zach, comment l'OL a perdu ce match? Ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quelles sont les raisons qui ont amené cette remontada incroyable? Alors j'ai commencé à en parler vite fait tout à l'heure, donc je vais vite faire reprendre mes paroles, mais en gros voilà, pendant 80 minutes, Nice n'était pas très très dangereux, et très recroquevillé dans leur 4-4 de chez eux, sans trop presser. En première mi-temps, ils avaient eu quelques occasions qui venaient de quelques transitions, mais le pressing de Lyon était assez bien foutu, donc franchement, je trouve qu'on les avait très très bien neutralisés, et c'était assez cool. Après maintenant, il y a un gros problème, et c'est pour ça que une bonne partie de la faute, entre guillemets, de ce résultat, à mon sens, même si j'aime bien son travail depuis le début de saison, vient de Peter Bosch, qui pour le coup n'a fait absolument aucun changement,
en laissant Paqueta faire 90 minutes, alors que bah, moi, Peter Bosch, il se plaint de jouer deux fois d'affilée à l'extérieur, le jeudi à Prague, puis le dimanche à 13h à Nice, et puis une semaine, enfin 10 jours avant, Paqueta, il était en Uruguay en sélection, avec le Brésil. Ouais, donc Paqueta fait des 4 matchs en 10 jours, même s'il démarre pas à Prague, il fait la mi-temps. Enfin, franchement, pour le coup, en gros, à la fin, les joueurs étaient cuits, et il n'a eu recours à absolument aucun changement, tout en laissant un Kadewere qui est sorti à la mi-temps contre Prague, tellement il était nul, et qui, aujourd'hui contre Nice, a raté 2 ou 3 occasions franches, ou en tout cas des situations qu'il a absolument mal négociées en faisant une... Alors désolé, je vais remettre ma caméra. Ah. Mais... pas mal, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, désolé. Ça, profite du mannequin sur le plateau en attendant. Prac, il a pris la grosse... Prac. Prac, maintenant ça te va bien, Prac. Mais Zach, tu peux continuer à parler, parce qu'on t'entend. Tu peux continuer, on t'entend. Ok, super. Je continue à parler, après je vais rejoindre la caméra. Du coup, le problème est qu'il n'a pas fait de changement, et donc des changements qui auraient été salvateurs. Alors on n'a pas le meilleur des bancs, mais t'as un Ryan Cherki qui peut rentrer, t'as un Shaqiri qui, même s'il n'est pas en bonne forme, était de toute façon meilleur que Kadewere, qui est sur 2 matchs d'affilée qui sont absolument horribles. Et c'est dommage, parce que tu sentais que Lyon s'est crispé très très vite, et que mentalement on a ce côté traumatisé d'avoir déjà perdu des points. Là ça fait 8 points perdus après la 80e minute. C'est pas la première fois, 8 points perdus en Ligue 1 après la 80e minute. 6e carton rouge, on a fini 6e carton rouge sur 14 matchs. On a fini 45% de nos matchs à 10 contre 11. Donc c'est vraiment absolument dramatique. Oui, non, mais c'est dramatique à ce niveau-là. Et il y a un gros problème mental qui constitue littéralement, et pardonnez-moi l'expression, se chier dessus dès qu'il y a la possibilité de se faire remonter. Et franchement, c'est terrible, parce que ça contraste avec 80 minutes où on fait une de nos meilleures performances collectives. Alors bravo à Nice, parce que pour le coup, même si pendant 80 minutes, j'ai été déçu de leur perf, quand Atal est rentré, on a vu une équipe, un public qui a poussé. Ouais. Et Atal fait une entrée absolument magnifique. Quand il est comme ça, lui, c'est un monstre. Exact. Et ça te montre encore une fois ce qu'un entraîneur peut faire via ses changements. Un Atal qui rentre et qui est en jambe, bam bam, ça donne quelque chose de réellement quali, et ça te transforme la face du match. Alors que laisser Kadewere qui est super nul, alors que t'as encore 5 changements. Moi, j'ai commencé à réclamer les changements à partir de la 70e, parce que je me disais, bon, un Paqueta, là, il a plus besoin de rester. Il y a 2-0, on peut tenir la balle avec un Cherki, un Shaqiri, il peut rentrer, tu vois, un Mendes pour peut-être un peu plus de contrôle. Tu vois, il y avait quelque chose à faire. Et ben non, il a décidé de laisser. Et Peter Bosch, ça, c'est un truc qu'il aime bien, jouer avec 14, 15 mecs comme ça. Mais bon, même si c'est pas lui qui fait le tac, même si c'est pas lui qui a le rouge, il a le pouvoir de changer ça, et il l'a pas fait. Donc pour moi, c'est vraiment le principal responsable. Le tac, responsable, c'est grave même quand si même. Hein. Les joueurs. Ouais. Bien sûr. C'est, bien un, sûr, c'est bien honteux, sûr. Putain. Ok. Totalement. Ok, non mais alors c'est vrai qu'on en a tous parlé, l'entrée d'Atal, elle change tout, elle change vraiment tout, parce que du coup tout passait par le côté d'Atal, et les Lyonnais n'arrivaient pas à tenir l'Algérien. Il y a un truc aussi qui est assez fou, c'est que, et moi je rejoins complètement Zach, quand tu regardes ce match-là pendant la majeure partie du match, j'ai trouvé Nice complètement inoffensif, mais vraiment tu sentais qu'ils n'avaient pas les armes en fait pour faire mal à l'OL, et d'ailleurs on le ressentait même au niveau de l'attitude des Lyonnais, ils étaient ultra sereins en fait. C'est pas une équipe qui leur posait des problèmes, c'est pas une équipe qui les mettait dans des situations d'urgence, et j'ai senti un Lyon très serein. Mais dès que Atal est rentré, en effet, le match a complètement tourné. En fait, t'as vu le mauvais Lyon, t'as vu sur les visages des joueurs qui commençaient à flipper, des joueurs qui commençaient un petit peu à déjouer, et c'est vrai que oui, quand tu recules face à un Atal par exemple, quand lui il est en confiance comme ça, c'est chaud. Ouais, mais Bruce, ce qui est terrible en fait, c'est de se dire que donc Lyon, t'es une équipe, quand tout va bien, ça va, t'arrives à gérer, mais dès que t'as un petit peu d'adversité... Mais comme il l'a dit, Zach, c'est pas la première fois où Lyon, il craque complètement à la fin, où tu te dis, ils ont le match plié... Donc cette équipe n'a pas encore vraiment progressé, en fait. Et qu'il craque en quelques minutes, c'est pas la première fois. Et après, Atal, c'est pas la première fois. Bon, lui, ce qu'il nique, c'est les blessures. Souvent, il a des pépins, etc. Mais ouais. Atal... quand il est sur le terrain et qu'il est à peu près en forme, on sait de quoi il est capable, et il est capable de te plier du monde. On l'a déjà vu faire des perfs il y a quelques temps contre le PSG, des matchs où tu te dis le mec il a un truc en plus. Et voilà, mais trop d'erreurs pour moi, c'est faute. Ok, respect à Nice, ils ont cru jusqu'au bout, Atal qui change tout et laisse tomber. Voilà, mais Lyon pour moi c'est interdit. Même le but de Boateng, où pour moi il est un peu trop loin, tu vois, d'Atal quand il rentre, tu vois, il ose pas trop aller dessus, et il couvre l'extérieur au lieu de l'intérieur, tu vois, en priorité. Ça pour moi c'est une petite erreur, tu vois. Il y a eu trop d'erreurs, après il y a eu le rouge aussi et tout ça, trop d'erreurs coup sur coup. Et comme il l'a dit Zach, quand ça craque, des fois ça craque, et t'as l'impression qu'il y en a pas un qui est capable, tu sais, de
de remettre tout le monde dans le droit chemin. Tu vois, c'est là où peut-être il te manque, pourtant il y a des joueurs expérimentés, hein, mais il te manque peut-être le mec vraiment qui dit oh, on mène tout le temps ou oh, c'est, on limite la casse et puis voilà, tu sais, t'as l'impression que ça coule et puis voilà. Quoi. Ouais. C'est à ce moment-là que les joueurs d'expérience vont être nécessaires. Tu vois, les Shaqiri, les Emerson, les Boateng, des mecs qui ont gagné absolument tout. Là, Lyon est dans une phase où en fait, indéniablement, pour quiconque a regardé les matchs, il y a eu beaucoup de progrès dans le jeu, dans les principes et tout, c'est vraiment largement mieux. Maintenant, on est mal payé sur plein de trucs et en plus on fait de la merde. Là pour le coup, il n'y a aucune excuse, hein. Le rouge est totalement légitime, on a totalement laissé tomber le match. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est maintenant où il va falloir se remettre la tête à l'envers, regagner contre Lens dès dimanche prochain et repartir. Simple, hein. Ah oui, bien sûr. En ayant laissé passer tous ces points, en ayant passé tous ces points, tu vois, et ben on est qu'à quoi, je crois 5 points maximum aussi, un Nice ou un Marseille gag du podium, tu vois. On n'est pas si loin que ça, on est toujours bien placé, tu vois. Donc va falloir là, on a grillé nos cartouches entre guillemets, qu'on pouvait les deux points qu'on pouvait laisser passer. Bah maintenant, va falloir que l'expérience des champions entre guillemets parle et que ça fonctionne. Zach, est-ce que là, parce que moi j'ai vu passer des tweets où finalement bah, certains voulaient quand même défendre Peter Bosch, même si sur ce coup-là il est fautif, hein, on peut le dire, hein, voilà, dans ses choix. Après, c'est pas lui qui fait le tac non plus. Non, mais évidemment. Il est un peu fautif. Je veux dire, il aurait pu anticiper certaines choses, voilà, d'une certaine manière. Là, c'est tout le monde qui a déconné, moi, je trouve. Voilà. Est-ce que pour l'avenir, toi, Zach, tu continues de croire en ce coach? Je sais que c'est toujours un peu trop tôt de parler de ce genre de choses, mais pour toi, est-ce que ça remet certaines choses en cause, selon toi? Bah moi personnellement la cam est revenue, si jamais je me permets, normalement ça devrait fonctionner. Normalement ça devrait fonctionner, voilà. Okay. Et donc du coup oui, je ne vais pas le demander sa tête, on est à 9 points sur 9 en Europa League, on est encore à proximité du podium et surtout moi j'ai hors jeu, j'ai toujours dit un truc et donc je vais être droit dans mes bottes, c'est que j'ai toujours dit j'aime bien si je vois que mon équipe progresse, si je vois que mon équipe est sur une phase positive ascendante, ça fait, on a perdu 2 fois les 8 derniers matchs. Ouais. Donc, ok, ça pourrait être encore mieux, mais je vais pas demander sa tête tout de suite, tu vois. Il a une grosse paire de responsabilités sur la défaite d'hier, les joueurs également, mais à l'heure actuelle, je serais peut-être un peu plus critique. Il y a certaines choses qui ont pu m'inquiéter, comme par exemple sa lecture de match hier et le fait qu'il fasse pas de changement. Et sur certaines rotations, oui, bien sûr, je me pose des questions, mais au-delà de ça, non, c'est pas le moment de se poser des grandes questions sur ça. Je vais pas dire que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, parce que si t'es trop en retard au bal, t'y arrives jamais, tu vois. Et tu reçois jamais ta paye parce que tu te fais virer en novembre ou en février, tu vois. Mais, bon, disons que là, ça va être une période déterminante, quoi. Non, mais en tout cas, oui, c'est très clairement, on ne parle pas de demander sa tête maintenant, mais oui, je pense en tout cas que ce résultat-là laisse un précédent. Ça, c'est une certitude. En fait, ça gâche un petit peu. On en reparlera plus tard si jamais, tu vois, il se passe d'autres choses. Ce qui est dommage, c'est que tu as l'impression que Lyon, dès que ça repart bien et qu'à chaque fois, on dit « Oh, ça joue mieux, il se passe quelque chose », il y a toujours ce match qui vient tout gâcher où là, c'était une grosse perf à Nice et tout, et tu vois, ça validait tout ça, et il y a cette fin de match qui nique tout, tu vois, ça qui est terrible. Gros, j'étais content, c'était un meilleur match collectivement. Moi, j'étais là, trop bien, ça. Une semaine compliquée, tu gagnes Monaco, Nice, deux mecs qui tu vas te taper pour le podium, t'as pris des 3 points sur eux, t'es revenu dans la course. En plus, t'as fait une remontada au Sparta, là, t'as une semaine pour te reposer contre Lens avant de revenir. Moi, dans ma tête, le scénario était carré, sauf qu'il était carré, j'étais à la 80e. Après ça, malheureusement. Non, mais c'est sûr. Voilà. Franchement, c'est difficile d'être supporter lyonnais, en vrai. Hein, parce que du coup, tu sais que tu as le matériel pour faire tellement mieux. Et voilà, tu as toujours ces matchs qui te ramènent un petit peu à ta condition. Bon, on suivra ça de très très près. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, Bruce, mais très gros match. Hein, très gros match entre Lyon et Lens la semaine prochaine. Si tu avais gagné à Nice, c'était la préparation idéale. Tu arrivais ultra confiant et tout. Mais là, tu te dis, bah, si tu gagnes contre Lens, encore tranquille. Ouais. Mais si tu fais un nul ou une contre-performance, tu te dis, putain, le match contre Nice, déjà, il te reste dans la tête. Et si, tu vois, ça te rajoute un peu de pression avec inutile. Une petite entorse mentale. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est dommage pour eux. Mais Lyon, ils n'ont pas encore perdu à domicile. Zach, expert. À domicile, est-ce que Lyon a perdu pas. Non, parce qu'on a fait nul contre Brest, nul contre Clermont. Non, en fait, c'est à l'extérieur où on est un peu naze pour l'instant. Okay. À l'extérieur, on a gagné contre Nantes. Et en plus, c'était pas complètement mérité, Zach. Le nul était plus logique contre Nantes. Tu le sais. En tout cas, on a gagné contre Nantes, mais sinon, à l'extérieur, pour l'instant, on n'est pas terrible en championnat. Mais par contre, à domicile, il me semble pas qu'on ait encore. On a fait nul contre Clermont, nul contre Brest, nul contre Lorient. Oui, c'est pas terrible. Après, on a gagné Strasbourg, on a gagné Monaco.
Ouais, non, il me semble pas qu'on ait encore déjà perdu à domicile pour l'instant. Ok, bon, ok. Très bien. On avance, les amis. Et encore une fois, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez parler de vos clubs, vous n'hésitez pas à nous faire un petit message. Hein. Y a aucun problème pour ça. On revient sur ce fameux OM-PSG. Là, on va essayer d'être un petit peu plus du point de vue olympien. Kanto est là. Il n'est pas avec nous physiquement sur le plateau, mais il est bien présent avec nous, par la voix. Il va nous dire ce qu'il a pensé. 1-2-1-2. J'avoue, le Pento. Pento 30. Il est on l'entend dire 1-2-1-2 et tout. Kanto, comment vont pas ça va et toi Prac? Écoute, ça va très très bien. Ravi de t'entendre. Kanto, on a beaucoup parlé du PSG. Parlons un peu de l'OM. Quel sentiment laisse ce match nul? Et tout à l'heure, on disait en début d'émission, enfin je disais personnellement que c'était peut-être un petit peu plus cool de vivre ce match du point de vue de Marseille que du point de vue de Paris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse, mais qu'est-ce que ça t'a laissé, toi, comme sentiment? Ouais, ben forcément, parce que du côté de l'OM, t'as une espèce de traumatisme vis-à-vis du PSG depuis pas mal d'années, où on se fait fracasse un petit peu dans tous les sens, et où on en est même venu au fait de dire que la rivalité maintenant, c'était l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, et non absolument plus avec le PSG, tellement le PSG était... Et Tolin devant, c'était une des premières années, bon, avec la victoire la saison précédente. Et là, l'équipe et la ferveur qu'il y avait derrière cette équipe-là, on se disait qu'un résultat était possible. Les Marseillais ont mis du cœur, le public a répondu présent, les joueurs sur le terrain ont répondu présent, sans faire pour autant un match énormissime. En tout cas, on a vu par l'intermédiaire de garçons comme Guendouzi, comme Rongier, qui encore une fois de plus, était absolument énorme. Et forcément, oui, c'est plus agréable à suivre du côté des Marseillais que du côté des Parisiens, parce que du côté des Marseillais, on a fait avec nos armes, on a une équipe qui s'est battue. Du côté des Parisiens, voilà, ça a été petit match, petite détente, un petit peu comme ils font depuis le début de saison, quoi. Ouais. Mais juste, ouais, oui, Bruce, vas-y, hein. Ce que je disais un peu plus tôt, t'as pas l'impression que Kanto, il y avait peut-être un peu plus à faire du côté de Marseille? Parce qu'encore une fois, on le dit souvent, ce début de saison, tu sens que Paris est pas imprenable, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions, tu sais, dans le jeu, c'est pas ouf, tu les sens un peu fébriles derrière. Et après, en plus, il y a eu le rouge. Moi, peut-être, si j'étais côté marseillais, je regretterais peut-être de ne pas avoir, accéléré ou mis encore plus de pression, tenter plus, tu vois. Quitte à prendre encore plus de risques. J'ai le sentiment que Marseille, il y avait peut-être mieux à aller chercher sur la fin de match. Enfin, c'est mon sentiment. Ouais, moi, je suis d'accord. Non, mais... Je trouve que... Je me permets. Vas-y. Ok. Ouais, je trouve vraiment que, à 11 contre 10, j'ai pas trop aimé de la manière dont Marseille attaquait. Ça manquait vraiment beaucoup de présence dans la surface. Et à 11 contre 10 à domicile, avec un public qui a émis une ambiance quand même certaine, je pense qu'il peut y avoir des déceptions d'avoir attaqué de cette manière avec le frein. À part, je crois, c'est une frappe cadrée qui a un peu pété. Alors, ok, il y a Conrad qui en rate une grosse, mais en dehors de ça, à 11 contre 10 pendant une demi-heure, j'ai pas trouvé Marseille spécialement dérangeant. Et hier, au global, t'as senti. Alors, c'est vrai, quand Marseille se prend des transitions et des vitesses par Mbappé, on dit ah bah putain, ils se prennent des transitions. Hier, ils ont joué un peu plus avec le frein, on s'en est bien rendu compte que défensivement, ils avaient envie d'éviter de se faire prendre dans le dos, donc du coup, ils n'ont pas lâché les chevaux, tu vois. Ça peut se comprendre, mais je pense qu'il y a un juste équilibre. Et au global, je ne dis pas que Marseille fait un match décevant, je trouve qu'ils ont été décevants, en tout cas sur les 30 minutes à 11 contre 10. Pour le reste, c'était un petit peu sérieux, mais au global, je trouvais le match au global, lui, était pas super intéressant. Et je pense qu'il y avait peut-être encore mieux à faire, surtout sur la phase en 11 contre 10, où là, j'ai trouvé que l'OM, a pas lâché les chiens, ou en tout cas, c'est pas assez débridé. Tu vois, ils avaient c'était toujours quasi 50-50 en 11 contre 10. Moi, c'est ça que j'ai pas trouvé ça normal. Enfin, connaissant un peu Marseille en ce début de saison, comme Zach, je pense qu'ils auraient pu mettre plus de pression, tenter un peu plus. Ta réponse, Kanto? Ouais, mais en fait, on peut qu'être d'accord avec l'avis de Bruce et de Zach. Alors, je sais pas si c'est Marseille qui a eu du mal à s'adapter au fait que le PSG soit 10, ou si c'est le PSG qui est arrivé à mettre un espèce de faux rythme en gardant le ballon et en cassant complètement le jeu. Moi, j'ai un peu la sensation que c'est Sampaoli qui n'est pas arrivé à trouver les solutions, n'est pas arrivé à ajuster son système. De toute façon, je le dis et j'en reste persuadé que Sampaoli n'est pas un entraîneur qui arrive à s'adapter aux équipes, et lui, il joue de la manière dont il sait jouer, puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Même si l'OM joue bien, je le dis et je le répète, je suis toujours pas fan de Sampaoli. Cet entraîneur me fait quand même plutôt peur, notamment par ses systèmes de jeu et par sa non-capacité à savoir réagir dans certaines situations.
Attaquer, c'est bien, mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir un certain équilibre dans cette équipe-là. Les changements, je ne les ai pas trop compris. Qu'on sorte Rongier parce qu'il a pris un jaune, j'ai déjà beaucoup de mal à. Il était pas loin du rouge. À un moment, il y a le gros sur Neymar, c'était limite, mais voilà, il était pas loin de le prendre. T'es dans un match, si t'as envie de gagner, il faut prendre des risques. Sortir Rongier, Camara, bon, à la limite, c'est pas les changements que j'ai le mieux compris. Mettre Gerson sur un côté, c'est quelque chose qui commence de plus en plus à me fasciner, à me dépasser. un petit peu au même titre que la semaine dernière, quand je vois Pape Gay rentrer et jouer piston, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais voilà. C'est un match correct, puisqu'on arrive à prendre un point contre le PSG, mais pas non plus le match qui restera gravé dans les annales. En tout cas, oui, ça confirme bien que le PSG est bougeable cette saison, que l'OM est capable de jouer à peu près correctement cette saison, et que voilà, que le championnat va être long et passionnant parce qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent concurrencer l'OM. Non mais moi je connais très bien Kanto et je le sens dans le ton de sa voix, tu vois qu'il n'est pas emballé par ce qu'il a vu hier, ça se voit. Point de vue marseillais, tu sens qu'il n'est pas content. Zal, moi je reviens sur ce que vous avez dit là un petit peu avec Zach et Bruce. Et d'ailleurs Thierry Henry le disait hier après le match, il disait oui c'est pareil, c'est ce moment où Marseille se retrouve à 11. Ouais, moi, je vais te lancer Zal justement. Ouais. C'est ce moment où Marseille se retrouve à 11 contre 10. Il y a eu, je sais pas, 10-15 minutes où ils sont un peu regardés, où ils ont peut-être commencé à vouloir proposer quelque chose, mais c'était déjà limite trop tard. Et il y a Payet qui a répondu, qui a dit « Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas été assez tranchant à ce moment-là, il confirmait, mais il l'a dit aussi, il y a quand même les 4 qui sont derrière, tu peux pas te permettre de tout ouvrir, parce que tu sais très bien que sur… » On le voit bien. Ouais, mais à 11 contre 10, à domicile, si, non, mais désolé, finalement, moi je suis pas d'accord avec ça. Ouais, bah voilà, y a un coup à 11 contre 10, il y a un coup à tenter quand même, quoi qu'il arrive. On ne dit pas de te désorganisé totalement, t'as un mec en plus. Ah. Tu sais que c'est Mbappé en transition qu'il faut prendre. Tu te focuses sur Mbappé, le reste par la vitesse, ça fera pas des diffs. Tu te focuses juste sur Mbappé et logiquement, tu peux tenter des choses quand même. Moi je transmets, hein. Je transmets ce que j'ai entendu. Là... Après, moi, franchement, je peux comprendre l'attitude des Marseillais parce que si c'est pour pousser et aller dans les dernières minutes prendre un but, alors que t'as fait un match quasiment parfait, on va dire surtout défensivement, c'était plutôt correct. Et en sachant que le PSG, justement, dans le dernier quart d'heure, ils ont marqué énormément de buts cette saison. C'est là où on est peut-être le plus fort dans le dernier quart d'heure. C'était peut-être pas le moment de pousser contre nous. Ouais, mais à Classico, ça se gagne. Tu vois ce que je veux dire? Si tu là, pousses pas à 11 contre 10 sur une demi-heure, tu n'es capable de prendre qu'une frappe cadrée, c'est pas terrible, quoi. Je suis d'accord, mais là, Marseille, de battre le PSG, c'est pas l'objectif de la saison. Je pense que c'est de finir en Ligue des Champions. J'aurais kiffé, hein, je pense. Ouais. Non, mais je comprends. Je peux l'entendre et tout. Moi aussi, ça m'a un peu surpris, mais j'essaie de l'analyser comme ça. Je me suis dit, en même temps, si tu pousses les dernières minutes, nous, jusqu'à la dernière minute, on peut marquer. On a quand même un Mbappé qui peut prendre la profondeur assez rapidement. Et c'est sur ça que je me dis, ils ont peut-être eu peur et à juste raison. Pour moi, ça me semble logique aussi. Et ils repartent avec un match nul. D'ailleurs, un 0-0, je crois que c'est très, très rare à Marseille, entre Paris et Marseille, Marseille et Paris. C'est très, très rare comme résultat. Et ils l'ont fait. Prendre un point au PSG, en sachant que le PSG avait peut-être... En plus, ils avaient 2 jours de repos en moins. Donc, franchement, Sampaoli, il a tout mis contre la Lazio. Il a mis quasiment son équipe type. Et ce qu'il a fait là, c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Moi, l'homme du match, c'est clairement Saliba. Du coup, on a vu pas à mal 60% de bonnes... pour le chat, c'est Saliba. Voilà, on a vu quand même pas Rongier, mal de bonnes choses. Bon encore aussi. Ouais. Et je trouve que ça aurait été dommage de pousser comme le public attendait pour se faire frapper à la dernière minute. Et pour moi, ça peut s'entendre. Ça m'a pas choqué tant que ça. Oui, il y a juste un truc que j'ai envie de dire, c'est que si t'as vraiment, en fait, si tu creuses. T'as toujours une raison de pas attaquer ou de faire attention ou de, tu vois ce que je veux dire? Mais quand on prend le contexte, donc un derby, stade, enfin un derby, un classico, un stade, ambiance de fou malade, 11 contre 10 pendant 30 11 minutes. 11 contre 10, si c'est monumental, hein, pendant une demi-heure. Là, tu vas le faire quand? Tu vois ce que je veux dire? Parce que exactement. Moi, je suis d'accord avec toi, Zach. Moi aussi. C'est à l'extérieur. Et il y a aussi des profondeurs. 11 contre 10, c'est... À l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup, je parle hier, il y a beaucoup de Marseillais qui doivent être déçus que sur les 30, au moins les 30 dernières minutes, ça n'est pas. Autant les 60 premières, j'entends.
je dis pas que je suis d'accord, mais j'entends que tu attaques un peu avec le frein, que tu fasses un peu attention, parce que effectivement, ça peut aller vite derrière, même si le PSG joue mal. Mais sur les 30 dernières minutes, si tu le fais pas là, c'est quand? C'est quand, Tima? On est d'accord. De ce côté-là, j'ai trouvé que c'était décevant. C'était décevant. Mais je les insulte pas. C'est même pas, tu vois, pour dire ils sont nuls ou quoi. Non, mais on comprend très bien. C'est dommage. On comprend très bien, et moi personnellement je peux pas aller contre toi Zach, parce que moi je me souviens à l'époque de ce fameux match où je crois que Marseille ils en prennent 4, où Mbappé il fait un match incroyable et ça se finit très vite. Je crois qu'ils avaient déjà tenté, je sais même plus qui était là, c'était qui le coach, c'était Garcia, je sais plus. En tout cas ils en avaient pris 4 et je disais, mais à un moment tu donné, parles de quel match là, un Marseille-Paris, mais genre il y a peut-être 2 saisons je crois, ils en prennent 4, mais moi je disais, mais en voulant jouer au début quand ils avaient commencé à jouer. Ouais, je m'en en voulant jouer, moi j'avais été content, j'avais été ravi de ce que j'avais vu, et je sais qu'on m'avait dit mais non tu peux pas parce que c'est Paris, c'est compliqué, bah voilà c'était Villas-Boas, merci beaucoup, tu peux pas parce que c'est Paris et tout, mais là je suis désolé, là pour moi c'est très très grave, t'as Hakimi qui sort, Paris en plus il y a eu une période un petit peu, tu vois, un petit peu de disette où ils étaient encore un petit peu en train de se replacer, surtout que t'as des joueurs fonce, qui défendent trace, pas trace. Cette équipe comme Zach il a tout dit, t'as bah domicile, tu sens qu'ils sont prenables dans le jeu, mais t'as 11 contre 10 pendant une demi-heure sur le terrain, t'as des mecs qui défendent très peu comme Messi, etc. Donc en fait, quand t'attaques, bah t'es en surnom obligatoirement. Donc comme il l'a dit, si t'attaques pas là, bah t'attaqueras jamais, c'est tout. En fait, je pense que tu dois prendre ce risque, même si c'est Paris, de te dire, ok, il y a Mbappé derrière, il y a Messi, il y a qui tu veux, mais tu dois prendre ce risque de te dire, ce match, je vais tenter de le gagner parce que toutes les conditions sont réunies pour que j'aille le gagner. Tu vois, tu dois pas réfléchir en te disant, ah, on va quand même faire attention parce que on sait jamais. Mais derrière. Mais peut-être que ça manquait de fraîcheur physique aussi. Ils ont joué la Lazio. Ben, on se compte 10, il y a pas de. En fait, Paris, ils sont prenables. On l'a vu, ils étaient prenables. Enfin après. Encore une fois, peut-être, hein, ils auraient attaqué, se seraient pris un compte par Mbappé, ils auraient perdu. Voilà, et on aurait oui, dit. Oui, mais oh, ça, c'est le jeu, ça. Mais pour moi, il fallait tenter de toute façon. C'est plus, le jeu, mais c'est Paris, là. C'est pas. Enfin, c'est Paris, donc oui, mais c'est quand même. Si c'est Paris. Ils sont pas imbattables. Même, à 9, on peut marquer. Donc, tu vois, oui, je suis d'accord. Cet argument de. On est à 10, ces cas-là, pour moi, il est caduque. Mais dans ces cas-là, les équipes en face, ils jouent même pas le match, ils donnent les 3 points à Paris. C'est actuel, 4 à 10, c'est un avantage. Non mais Zach il a tout dit. C'est si tu le fais pas là, tu le fais quand? Donc jamais tu vas oser. Et ça c'est ça pour moi. Je suis désolé, mais ça envoie un message très fort à Paris. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va affronter Marseille, ce sera ça. À chaque fois ils vont toujours faire bloc tant qu'il n'y a pas un espace. Et même quand il y a un espace, ils vont pas tenter. Tu vois, c'est pour moi c'est le message que t'envoies. Je dis pas qu'il est désastreux, mais franchement il est dommage en fait ce message là. Moi je suis pas. Franchement je trouve pas. Par rapport à la série qu'ils ont fait là, les 3 derniers matchs, je trouve que l'OM ils sont dans la même lignée. C'est là peut-être que ça manquait de fraîcheur, peut-être qu'ils ont eu peur, peut-être qu'il y a eu tout ça qui a joué. Il y a eu la Lazio jeudi. Hein. C'était un match. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a reproché, le fait d'avoir eu peur de ne pas attaquer dans ce contexte. Mais tu vous vois. Sous-estimez. Notamment le reproche. Mais je crois que vous sous-estimez le fait d'être à 11 contre 10 pendant plus d'une demi-heure. Et la différence sur un terrain. Mais là, oui. On ne parle pas de Marseille, c'est pas une équipe de 3ème division. Tu vois, ils sont à la maison, c'est Marseille qui peut proposer. Les gars, vraiment, moi, mon sentiment, vous sous-estimez à 11 contre 10, mais réellement. Non, mais il s'est rien passé. C'est rien passé, t'es 11 contre 10 pendant une demi-heure, tu sors tes joueurs, tu forces tes joueurs qui font du jeu, tu te retrouves avec Gerson sur les ailes et t'acceptes de laisser le ballon au PSG sans avoir un pressing haut sur le terrain. Donc au final, le PSG, ça les arrangeait bien, ils étaient à 10, ils ont fait tourner les ballons gentiment, ils ont attendu un petit peu que l'orage passe et finalement, la fin du match a été sifflée. Mais c'est pour ça que je dis que Sampaoli sur ce match-là n'a pas été un exemple d'adaptation parce qu'il n'a pas su prendre les risques nécessaires. Il n'a pas su changer les bons joueurs au bon poste et mettre le bon système de jeu et surtout prendre des risques et dire à son équipe, à son milieu de terrain, d'aller presser un petit peu plus haut, d'aller mettre un petit peu plus de pression sur la relance parisienne, quitte à prendre des risques. Mais comme l'a dit Zach, t'es au Vélodrome, t'as un stade plein, tu joues un classico contre Paris, ils sont 10, c'est le moment ou jamais de les taper. Bah, si tu fais pas les efforts pour essayer de les taper, finalement, tu te retrouves avec un 0-0 où t'as pas fait grand-chose pendant une demi-heure. Mais il voulait faire un... Excuse, vas-y, Zach. Non, parce qu'il y en a quelques-uns, ils croient qu'ils font un contre-Kems en me disant « Ouais, attaquer et après perdre contre Lyon ». Alors oui, comme Lyon, effectivement, on a perdu à la dernière minute avec les conditions qu'on connaît, sauf qu'en attendant, nous, Paris, ces 5 dernières années, on est peut-être l'équipe de la Ligue 1 qui les avons plus tapé chaque année en allant attaquer et sans perdre nos couilles, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, dès qu'on les affronte. On les a pété en 2015-2016, en 2017-2018, en 2018-2019, en 2020-2021. À chaque fois, on les gagne justement en leur rentrant dedans et en jouant haut à 10 ou pas. Alors oui, de temps en temps, on se fait tarter. Oui, de temps en temps,
à la fin, on peut perdre. C'est-à-dire, c'est le principe même d'une prise de risque. C'est-à-dire que de temps en temps, le risque peut aller de ton côté et de l'autre côté, tu peux être très content. Sauf que nous, au moins, on les tape une fois par an, tu vois. Alors que, à l'heure actuelle, alors que sa caméra, elle a lâché encore, ouais. Vous avez battu une fois en 10 ans et là, à 11 contre 10 pendant 30 minutes, vous attaquez pas. C'est dommage. C'est juste dommage. Il y a pas à mal le prendre parce qu'on le dit, tu vois. Il y en a, ils se sentent, genre, trop mal dans leur tête parce qu'on dit, Marseille aurait dû attaquer à 11 contre 10. Oh, les gars, réveillez-vous. On peut pas parler de football avec vous, quoi. Mais ouais, non, mais Bruce, et après, faut que je pose un autre débat. Non, mais c'est surtout que, au vu de ce qui s'est passé, faut être honnête, on a compris que Marseille se satisfaisait de ce point du match nul contre Paris. Pour eux, c'est un bon résultat. Ouais. Ils se sont dit, ça nous va. Moi, je le prends comme ça. Ouais, du coup, OK, ils ont pris un point. Mais de l'autre côté, avec toutes les raisons évoquées, c'est aussi légitime de se dire, dommage pour eux. Peut-être qu'ils n'aient pas tenté plus. Il y avait peut-être un truc à aller chercher. Voilà, c'est tout. Mais tu sens que le nul, ça leur allait. Voilà, terminé. Je ne dis pas ça pour tailler, mais le pire, c'est que potentiellement, ce point, tu peux le perdre en plus. C'est ça qui est grave avec les questions de discipline. À 11 contre 10, tu peux potentiellement le perdre. Donc, c'est tout perdu. Il y a de grandes chance qu'en attaquant plus, ça finisse quand même à match nul. Il y a une petite chance, infime que sur un compte tu te fasses niquer et que finalement tu perdes les 3 points, et il y a une petite chance que tu gagnes le match. Moi perso, ça se tentait à mon avis. Alors, autre question, et après on avancera, on passera sur le Tour d'Europe, parce que c'est vrai que ça aussi, ça a beaucoup fait débat. Vous l'avez sur le chat élu homme du match, William Saliba, encore une fois à 60%. Ouais, stratosphérique. Mais il y a cette situation sur Mbappé. L'arbitre ne dit rien. Du coup, il joue le ballon. Et il touche Mbappé, mais il prend la balle avant. Ouais. Alors attends, Bruce, juste Kanto, pour toi, il y a quoi sur cette action-là? Alors à vitesse réelle, j'ai cru qu'il y avait rouge de Saliba. Après, en voyant le ralenti, je me dis qu'il a eu des grosses couilles, il a eu des immenses couilles et que, ça va être récompensé. Voilà. Ok, d'accord. Donc la prise de risque récompensée. Pas péno pour vous, hein. Enfin, pas de carton rouge. Pour moi, le tacle est parfait. Ok. C'est vrai qu'il touche Mbappé après. Faut être honnête. Après. Oui, mais il touche la balle. Il enlève le ballon. Oui, mais peu importe. Selon leurs règles et tout, logiquement là, ils peuvent te siffler un péno. C'est une vérité. Parce que même si tu touches la balle, t'es pas censé taper le joueur derrière. Après, moi, dans l'intention, tout ce que tu veux, j'avoue que je chiffre pas faute. Ouais, moi pareil. Moi, j'avoue, mais si siffle péno ou quoi, la vérité, ça aurait pas été un énorme scandale, je pense. Voilà, mais moi, je siffle pas faute. Ok. Voilà. Zach, tu vas conclure pour toi. Moi, j'ai même pas revu l'action en détail. Juste quand je l'avais vu en direct, j'ai trouvé que le geste était extraordinaire. Donc après, derrière, qu'il touche le ballon ou pas, j'avoue que j'ai pas checké le mini ralenti, etc. Donc, je préfère dire je sais pas. Mais Saliba est un monstre. Ça, c'est un truc qui date pas d'hier. Et même si je suis lyonnais, le fait qu'ils aient en 2 ans formé Fofana et Saliba, c'est un moment en synthé. Ils ont réussi à faire du sale, ne serait-ce que sur ces deux mecs, quoi. Ah, c'était en dehors de la surface. Moi, j'avais. Oui, c'était surtout le carton rouge. C'était surtout. Ah bah c'est banan. Donc, c'est ça, rien faire. Si c'était dans la surface, là tu peux faire intervenir le VAR et du coup peut-être il y aurait une discussion, mais si en dehors. Si c'est hors de la surface, c'est que ça mérite un rouge. Tu peux pas mettre rouge là-dessus, non. Dernier défenseur, si jamais il rate son geste, c'est carton rouge là. Honnêtement, t'aurais pas Hakimi. Oui, mais il prend la balle et tout bien. Comme Hakimi. Non, c'est différent. Mais Bruce, si Hakimi prend le rouge parce qu'il est dernier défenseur. Si jamais il rate son tacle et qu'il le touche alors qu'il part au but, c'est la même chose. Non. Dernier défenseur, ça existe pas, hein. Oui, bon alors même sans dernier défenseur, Hakimi, comme il disait, il prend carton rouge parce qu'il empêche l'autre d'aller au but. Là, c'est pareil. Si Mbappé il va au but et que Saliba il rate son geste et qu'il le fauche, c'est carton rouge aussi. En fait, il y a pas de différence. Moi, je sais pas. Moi, Saliba, la vérité. moi, je sais pas. Genre, je mets pas. En tout cas, moi, sur l'intention, je chiffre pas. Bon, d'accord. En fait, c'est simple. S'il y a faute, c'est rouge incontestable. Mais après, faut savoir s'il y a faute. Et à l'heure actuelle, moi, personnellement, j'avais considéré qu'il n'y avait pas et que le geste était propre. Mais si, effectivement, si en l'occurrence, s'il y a faute, vu qu'il arrête un mec qui va tout seul au but, alors là, oui, dans ce cas-là, il y a un truc incontestable. C'est pas dernier défenseur parce que tu peux avoir en gros une ligne avec un mec qui vient sur un côté en diagonale, un autre gars qui est un peu plus loin et qui est effectivement le dernier défenseur, alors qu'un gars va faire la faute avant et il n'est pas le dernier défenseur, sauf qu'il arrête l'action et il peut se manger un rouge quand même. Juste pour ça qu'il faut préciser que le dernier défenseur, c'est pas bon. Oui, c'est parce que ce truc de dernier défenseur, moi, je comprends plus non plus. Il y en a sur le chat, vous avez été habitué. Il y en a certains supporters du PSG, vous avez été habitué à ce qu'on vous donne les victoires ces derniers temps, j'ai l'impression, avec des trucs. C'est pas parce qu'on vous donne pas tout le temps tout qu'il faut dire lui, il est fou, lui, il est bourré, les gars. Vous avez pris des victoires à l'œil.
Et vous n'allez pas en prendre à tous les matchs. Il faut rester digne un de ces quatre, c'est bon. Et les mecs, ils te tombent dessus tout le temps. Ça va, l'arbitrage, il a été pas mal avec vous ces derniers temps, les gars. Arrêtez de pleurer toutes les deux secondes, c'est une vérité. Il faut arrêter deux minutes, c'est bon. Bon. Ah, ils rendent fous. C'est une honte. Bon, allez, on ah va... non, ils rendent fous, c'est une vérité. On va conclure ah, ce, ouais. débat, ce débat. Non, mais Braque, même toi qui es supporter parisien, ça va, vous avez été pas trop mal lotis ces derniers temps. C'est pas mal, j'avoue. Il y a eu des on dirait qu'il faut tout le temps aller dans le sens et ça va deux minutes. Même moi, tu sais, c'était le smiley qui regarde comme ça, fou. Là, t'es caché, là. Ah ouais, il y en a, ils rendent fous. J'avoue. Quanto, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous, les amis. Il a dit ça comme... Mais tu reviendras. Tu reviendras. On te retrouve lundi prochain, du coup. Ouais, je serai là. Allez, ça roule, Quanto. Merci à toi. Quanto. Ok. Ciao. Bon, avançons et maintenant on va ouvrir notre gros tour d'Europe. Bon, tu encore veux une parler fois. De Rennes y a, Lens, ça n'a pas parlé. Nantes non plus. Bah ouais, mais vous, non, mais c'est vrai. Lens, il mériterait quand même. Lens, c'est vrai. Vous le savez, mais quand il y a il y a pas un supporter lensois aujourd'hui. Bah non, on n'a pas de supporter lensois. Semaine prochaine, supporter lensois, Braque. Rennes surtout. Il ouais, lensois aussi. Mais Lens, on a déjà eu un supporter lensois. Moi, on a déjà vrai. Eu. Ouais, là, il faut qu'on parle de Rennes. Faut qu'on parle Rennes, de tout j'ai monde, envie les gars. De dire un truc, moi. Mais Rennes, moi, j'ai envie de dire un truc. Bon, alors, écoute, on va parler de Rennes et Bruce, tu parleras de Lens, juste derrière. Vas-y. Non, vas-y, mais moi, c'est Nantes que je veux quand même. Ok, de Lens et de Nantes. Allez, ouais, tu veux que je parle de toute la Ligue 1 on fait tenir ça en 5 minutes. Vas-y, Jacques. Alors, moi, Rennes, la dernière fois, on avait parlé d'eux il y a un mois et quelques, quand ils avaient perdu à Marseille, où ils font un non-match total en étant extrêmement mauvais et en étant une équipe pas du tout coordonnée. Et depuis ce match où j'avais été très critique envers eux, ils sont super bien revenus. Donc, pour ça, déjà, félicitations, bravo. Et ils ont réussi à trouver déjà du mieux. C'est-à-dire que leurs individualités, certains des mecs qu'ils ont réussi à prendre, apportent énormément, ne serait-ce que la board. Souleymana, je ne vais pas vous refaire un dessin, hein, son but contre Metz, je pense qu'on l'a tous on vu. Tout vu hein. C'est absolument phénoménal. Exactement. Et en plus, ils arrivent, en plus de ça, à prendre leur petite confiance en gagnant, et sans doute pas les matchs les plus compliqués, mais au Vitesse Arnhem, où Alfred Gomis fait en plus un bon match là-bas, et contre le Murat, bon, c'est quand même des victoires qui sont importantes à prendre en milieu de semaine. Derrière, ils gagnent le PSG à 11 contre 11 en les recevant et en jouant, franchement, correctement, de la même manière que, et sur le coup, ça, on lui a jamais enlevé le ça, mais Genesio, dans les gros matchs face à des grosses équipes, hyper rarement ses couilles, je me permets l'expression. Donc, en jouant de manière vraiment très probante, vraiment, c'est très bien revenu. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller, mais que ce soit dans le jeu, c'est plus enthousiasmant. Dans les individualités, ça fonctionne largement mieux. Après, il y a toujours peut-être quelques défauts à droite, à gauche. Moi, je suis pas totalement vendu sur leur charnière centrale ou alors sur leur gardien, mais il y a du mieux. Et pour les avoir taillés, je suis content un mois et demi plus tard de pouvoir leur dire du bien à leur propos. Donc, bravo à vous, enjoy. Non, mais comme quoi, ça peut très vite tourner. Hein. C'est vrai qu'on était, comme d'habitude, très inquiet au début. Et là, voilà, on se rend compte que ça marche un peu mieux. Donc voilà, supporter René, vous avez entendu le message. Pas dit de dire du bien. De Rennes et non. Non, mais c'est t'inquiète. Vrai pour connaître ces derniers temps. La stat est impressionnante. Les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul, 13 buts marqués, 1 encaissé. Mm-hmm. C'est vraiment la réelle stat, elle est impressionnante. Non, mais ils sont là. Bruce, un mot sur Nantes du coup et Lens, si tu veux aussi. Hein. Non, mais Lens, faudra vraiment avoir un supporter qui suit son club. Voilà, ça sera le meilleur truc la semaine prochaine, un supporter. Mais Lens, ça bouge pas quoi. Ils continuent à faire le boulot. On verra contre Lyon aussi, mais. Non, ça joue et c'est récompensé et ça confirme par rapport à la saison passée. Donc non, c'est très très fort. Mais vraiment, il faut qu'on ait un supporter à Lensois qui vient d'en parler. Mais on l'a déjà eu. Hein. Oui, non, mais on rappelle que mine de rien, ils sont tout en haut du classement, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Et la saison passée, ils craquent que à la toute fin, genre dans les 7-8 derniers matchs où effectivement, ça commence à aller un peu moins bien et ils perdent une partie de leur avance et ils finissent derrière Marseille sur ça. Mais si sur cette saison, ils continuent à appliquer les mêmes principes du jeu positif, les pistons, le jeu, tout ça, machin, très très bien, avec des Kalimuendo, des Kakuta, des Jonathan Clauss, je vous fais pas les dessins. S'ils continuent à appliquer les mêmes principes, des Ganago, les mêmes principes, à avoir les mêmes résultats et en plus à y apporter peut-être, du prolongement jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire ne pas craquer dans les 8 dernières journées, peut-être que l'année prochaine, on a une bonne équipe, encore une fois, envoyée en Europa, peut-être en LDC, je sais pas, tu vois, mais en tout cas en Europe. Après comme d'habitude, faut voir si cette équipe, elle va pas se faire piller, hein. Faut y penser aussi. Non, mais faut y penser. T'as des joueurs qui sont ultra talentueux dans cette équipe. Tu prends Fofana, tu prends les Klos, Kalimuendo, Ganago, t'es pas sûr de pouvoir les garder éternellement, tu vois. Donc il y a toujours cette question-là qu'il faut quand même garder dans un coin de tête. Il est prêté, Kalimuendo, non ? Oui, Kalimuendo est prêté. Non, mais voilà, je veux dire, tu risques quand même de perdre des éléments. Ouais, mais.
pas impossible. Ils toucheront de l'oseille. Ouais, il y a ça, et puis je pense qu'ils sauront réinvestir leur argent. C'est quand même un club qui sait travailler depuis très longtemps. On en a vu d'autres. C'est vrai, mais... Ah. Mais regarde, je sais c'est pas. Bien géré là, donc. Ça va bien. Le budget de Lens, ils sont combien normalement? Ils sont 10e ou ils sont même dans les 10 premiers? Pose pas cette question à moi. J'avoue, il amène des questions. Non, mais sur le chat. Non, mais en soi, c'est intelligent la manière dont ils fonctionnent. Regarde, ils ont vendu Loïc Badé pour une vingtaine de millions à Rennes. Derrière, ils ont réinvesti. Ils sont allés chercher Frankowski en MLS qui a marqué des bangers, je pense, même quand tout s'en souvient. Ils ont pris un petit Farinès, tu vois. Ils ont pris, je crois, un mec en Allemagne, je crois, Danso, un truc comme ça. Donc, franchement, à l'heure actuelle, ils ont réinvesti direct. Je crois que leur mercato était à peu près à l'équilibre. Donc, ça a l'air d'être une gestion sportive intelligente et les profils visés fonctionnent. Donc, même s'ils perdent quelques joueurs, peut-être un ou deux, faut voir parce qu'après, derrière, dans leurs joueurs performants, il y a aussi des gens plus âgés qui ne vont pas forcément venir se faire chercher par l'Altop. Oui, tu vois, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui va venir chercher, je pense, un Kakuta ou un truc comme ça. Tu vois, genre, après, Seko Fofana peut toujours obtenir des grosses offres, mais surtout il a l'air de kiffer bien là-bas, les mecs. Tu le vois qu'ils sentent bien. Donc, Après, c'est dur de résister aux sirènes de la première ligue. On a eu la réponse, c'est entre 15 et 17e budget. Bravo à eux. C'est fort, mais le ratio, c'est incroyable. Même si ça se passait mal l'année prochaine et qu'ils sont 8e ou 10e, ils sont à leur place. Encore, c'est relatif, 8-10e, ça passe. C'est très bien. Jusque-là, du coup, vu le niveau qu'ils affichent cette saison, t'as envie de te dire, les mecs, ils peuvent limite accrocher. Aller chercher une place en Europe. Quand t'as 15e ou 17e budget de Ligue 1, Le premier objectif, c'est le maintien. Bien tout sûr, simplement. Normalement. Je pense qu'il travaille à tête reposée. Et voilà, Lens, ça va aller comme ça jusqu'au bout. Et ça fera sûrement peut-être la même chose que l'année dernière, où ils vont choquer à la fin, peut-être, c'est possible. Mais c'est déjà très, très beau ce qu'ils font. Et en plus, ça joue. Donc, par-dessus ça joue. Donc, c'est vraiment agréable de voir jouer Lens. Un petit mot sur le Racing Club de Nantes, du coup, Bruce. Le Racing Club de. Tu veux que je te jette une bouteille, toi? On pourrait inviter Nolan pour Lens. Ouais. Si tu veux. Non, mais Nantes, je vais faire rapide, tranquille, on va avancer. Mais encore une fois, ça prend les points à la maison. Ils sont sur une très bonne série, mine de rien, si tu prends les 5-6 derniers matchs. Et voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Tu sais, ils avaient eu le début de saison qui était trompeur, où des fois, ils auraient mérité de prendre plus de points contre des top équipes, ça avait été mal payé. Et après, j'avais dit, ils ont un calendrier plus abordable. Et on verra où ils en sont au bout de 4-5 matchs. Et ils ont pris quasi tous les points où il fallait les prendre. Du coup, on voit que c'est pas trop mal. Et avec un Blas comme d'hab qui est monstrueux. Je ne sais pas si vous avez vu le but avec Kolo Muani, la remise en retrait, ça a aussi très bien joué. Ouais. Parce qu'il y en a peu qui auraient fait ça. Il y en a qui auraient tiré la tête dans le guidon, tu vois, plutôt que de prendre l'info. Je suis content de ce qui se passe en ce moment. Puis au moins, mine de rien, tu creuses l'écart avec les relégables, etc. Tu prends beaucoup de points. Ah oui, tu mets de la distance. Hein. Mais sauf catastrophe, comme j'ai dit, c'est une équipe qui, je pense, en termes de jeu et d'effectifs, s'il n'y a pas des joueurs clés qui se pètent, je pense que ça tournera autour de la 10e place. Ouais. Voilà, à la fin de saison. Je pense vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait de casse, genre Blas, Kolo Muani, etc. Tu vois, des joueurs comme ça clés. Et je pense que ça peut tourner autour de la 10e place. Un peu moins, un peu mieux en fonction de ce qui se passera. J'aime bien Maca sur le chat. Hein. Ludovic Blas, meilleur joueur du monde, n'ayons pas peur des mots. On est d'accord. Il est très fort. Il est incroyable cette saison, il n'y a rien à dire. Ok, très bien. Bon, on referme la page Ligue 1. Et question Freebet. Comme d'habitude, on vous fait gagner, bien sûr, des Freebet sur le site PMU. Voilà la question. Qui a marqué le but de la victoire lors du match OGC Nice-Lyon? Remue le couteau dans la plaie. On ne pose pas la question, Zach, bien entendu. Mais voilà, le plus rapide à répondre sur le chat repart avec ses Freebet. Voilà, c'était guessant. Magnifique. Vous êtes très, très chaud. Allez, on y va. On fait maintenant ce tour d'Europe. Et là aussi, on a des choses à se dire. On va commencer par le classico, le vrai. Hein, on va pas parler du classique. Real-Barça, alors moi, ce qui m'a fait très, très... Qui n'a plus du tout la même saveur. Qui n'a plus du tout la même saveur. Un peu moins rêvé, ouais. Moi, ce qui m'a fait sourire... Après, ça reste un match spécial. Non, mais ce qui m'a fait sourire, moi, c'est que je suis arrivé sur Bilin, je regardais. Et là, tout de suite, ça m'a mis un petit peu les bases. Ils ont essayé de créer une histoire entre le match, entre Memphis Depay et Karim Benzema. Memphis Depay déjà arrivé, déjà décisif, genre la nouvelle icône du Barça. Et en fait, c'est terrible, mais tu te dis... On sait tous que le classico, c'est plus le classico d'avant, on le sait, on sait très bien qu'il a perdu son truc. Mais même là, tu vois que les mecs, ils essayent de raconter un truc et t'arrives sur le match. Franchement, le match, je dis pas que c'est une purge, mais je veux dire, tu regardes ça,
pas de hype, quoi. Je sais pas, moi, je regardais le match, j'étais pas... Non, c'est cool moins de voir le Barça, mais voilà. Après, quoi. Ça reste un match cool, mais c'est vrai que ça fait moins rêver, bah, parce c'est que... Bah, on c'est a un Barça qui, on le sait, bon, bah, traverse pas une grosse période. On a un Real, même s'ils sont moins bons qu'il y a quelques années, on va pas se mentir, ça reste quand même supérieur au Barça, et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un match qui te fait... rêver de fou, quoi. Bah, après, tu regardes la compo du Barça, etc. Bon, bah voilà, on va pas se mentir. Ouais. Mais bon, on va dire que le Real, bah, de toute façon, il est un peu au-dessus du Barça. Ça, il n'y a pas de surprise. Oh, bon, c'était pas un non-match. En mode, le Real n'a pas roulé sur le Barça non plus. Mais le Real était un peu au-dessus. Le Real s'impose. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, ouais. Ils ont eu des occasions quand même, le Barça. Ouais. C'est dommage. Bah, Dest, il en a une de ouf. C'est grave. Moi, Dest, il en a une de ouf avec le mini rebond qui vient après que Fatih l'a dit. Ça aurait changé le match. Alors, l'action, la passe de Modric sur Benzema, la reprise, elle est magnifique. Oui, Modric, les passes encore des fois, lui, ça bouge pas de façon jusqu'à 50 ans, il pourra te mettre des passes comme ça. Mais déjà, au chaque fois, il touche Vinicius en une touche de balle comme ça quand celui-ci arrive dans la surface. C'était d'un avec niveau. Avec le jeu en triangle avec Benzema, ouais, était magnifique l'action, incroyable. Modric, vraiment, incroyable. À 38 ans, depuis ces deux dernières années, des fois, il est même pas titu, il rentre pour les 30 dernières minutes et montrer aux 6 ou 7 milieux de terrain, c'est qui le papa. Franchement, il est impressionnant. Mais, moi, un truc que j'ai vraiment kiffé, on a tous bien parlé de Vinicius, etc., et notamment le fait qu'il les gagne en finition. Et hier, en regardant les résumés, etc., même en live et tout, on le regardait. Si vous regardez le résumé avec un autre angle de caméra, sur le but où, de le premier d'Alaba, où effectivement, il dribble un peu Minguesa, et où il a le loisir d'envoyer Alaba côté gauche, des trucs que j'ai kiffé, c'est là où tu vois l'expérience dans le monde du foot. Et lui, maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il est au Real et que, du coup, il en a gagné de l'expérience. Il a fait un truc très intéressant, c'est qu'au lieu de simplement envoyer Alaba, et après, derrière, Alaba aurait débordé et centré pour un Benzema qui aurait, du coup, je pense, envoyé un appel. Il a levé la tête. Là, il a vu Benzema là-bas et il a envoyé une grande transversale pied gauche qui était compliquée à mettre en plus. Et c'est ça qui a permis derrière à Alaba de pouvoir continuer en ayant Memphis qui lâche le marquage. Ouais, il a complètement lâché. C'était super intelligent de la part de Vinicius parce que d'une, il faut être osé mais pour faire ça, et ça on sait que Vinicius, il manque pas de culot. Mais pour le faire, le réaliser et que ça se passe bien, j'ai été vraiment impressionné parce qu'on a beaucoup loué du coup sa qualité de finition qui s'est améliorée, mais même dans l'intelligence de jeu, le gars est devenu 150 fois plus smart qu'avant. Non, mais franchement, c'est Ancelotti, c'est Vini justement qui disait ça. Vini, et je pense qu'Ancelotti l'a fait pas mal progresser là-dessus. Bien sûr. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il disait en tout cas. Vini, il dit genre le boss, il parlait d'Ancelotti, il dit il me met des coups de pression parfois dans le match dès qu'il voit que je me déconcentre. Il me met des gros coups de pression pour que je me refocus et tout. Et en gros, ça l'aide. On sait que c'est un joueur qui peut un peu se disperser. Tu sais, ça fait un peu comme Dembouz. Des fois, il va avoir des éclairs et des fois, il va un peu être moins concerné ou pas concentré. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, bah, peut-être aussi l'impact d'Ancelotti, tu le sens que ça lui a fait beaucoup de bien. Et là, tu vois le plein potentiel du joueur. Et c'est vrai qu'il fait un bien fou au Real. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est très bon en ce début de saison. Ce qui est cool, moi, je l'avais mis en coup de cœur quand on avait fait nos coups de cœur européens. Et c'est vrai qu'en fait, là où tu vois qu'il a vraiment progressé, c'est que désormais, les mecs en face, ils ne le voient plus de la même manière. À l'époque, Vinicius, je ne sais pas si vous vous souvenez des matchs. Dessus non maintenant. Mais, après, ouais. En fait, tu savais à l'époque qu'il avait des coups d'éclat et qu'il pouvait te faire mal. Ça reste, en fait, c'est un joueur, c'est une menace. C'est un mec que tu dois toujours avoir un œil sur lui. Mais je veux dire, à l'époque, ses adversaires savaient très bien qu'il était tellement maladroit qu'en fait, bon, t'avais une marge de manœuvre, tu vois. Tu pouvais quand même t'en sortir. Il frustrait ses coéquipiers des fois, tu vois, où il tirait alors qu'il fallait pas. Parce que tu sais que c'est un mec maladroit. Ouais. Voilà. Mais là, à l'heure où on se parle maintenant, c'est devenu plus qu'une menace. C'est vraiment devenu un danger dans cette équipe-là. Et tu le vois, il tente des gestes qu'il arrive à passer. Il joue contre nous, il joue avec nous. Voilà, il joue avec. En un contre un, il arrive à faire beaucoup. Et je pense encore une fois que Benzema, il y a Ancelotti, mais Benzema, il y est pour énormément aussi, dans sa progression. Ouais. Il lui parle en permanence. En permanence, il lui parle. Pour être un peu plus explicite, il faut se rappeler l'année dernière où il y avait la polémique Benzema-Ferland-Mendy où il disait peut-être pas de ballon. Tu vois, c'était, je pense qu'il n'était pas. Benzema ne le portait pas dans son cœur à ce moment-là. Non, je pense que c'était plus de l'agacement. Oui, c'est de l'agacement, mais c'est vrai que des fois, il jouait la tête dans le gazon, voilà. Il tirait comme on dit souvent, un poulet sans coque. Un poulet sans tête. Un poulet sans tête, tu vois. Et là, je pense qu'il a réglé ce petit truc, et pour le coup, la finition est meilleure, et ça se voit. Il prend plus les infos, comme le disait Zach, il lève plus la tête. C'est vrai que t'as l'impression qu'il a gagné en intelligence de jeu, il est plus focus.
focus, tu vois. Ouais. Non, non, mais c'est intéressant. Alors, les amis, sur le chat, message intéressant qui tombe de Zirius qui dit « Vous êtes dur avec le Barça, les gars, le Barça se reconstruit. » Et franchement, c'était encourageant de voir le Barça jouer. Alors justement, parlons-en du Barça. On est avec Franek, gros supporter du Barça. Franek, même d'ailleurs, hein, faut le dire comme ça. Est-ce que tu nous entends, Franek ? Allô, allô ? Ça sera le Zef. Allô, Franek ? Non, moi je suis sûr qu'il est là. Parler, mec. Ah ouais. On m'a dit qu'il était prêt, on m'a dit que tout était réglé. Il faut pas venir parler Franek, de son club. Ah, tu l'entends toi, Zach ? Ouais, bah, je crois que Boris Cézal aussi l'entend. Il y a que toi que tu l'entends pas. On est censé tous l'entendre. T'es un gamin, Zach. T'es un gamin. Je suis pas bien. Bon, on va réessayer. Bizarrement, on entend pas Franek. Allô. Salut. Allô. Bonsoir. Non, en fait, je suis dans la rue. C'est pour ça. Je suis désolé. Ah, d'accord. Bah, voilà, c'est authentique. Maison, Franek, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais vous me sortez de cours comme ça. Compliqué. Bon, déjà, alors Franek, sur le chat, visiblement, on nous trouve un peu dur avec le Barça. Est-ce que pour toi, justement, il faut laisser du temps à ce Barça-là, ou est-ce que t'as été déçu par ce que t'as vu hier dans le Classico? Bah, dur avec le Barça, oui et non, parce que évidemment, on est tous au courant que c'est une phase de reconstruction, qu'il faut patienter, qu'il faut attendre, et que ce genre de gros match, de toute façon, le Barça n'a plus le niveau aujourd'hui pour les gagner. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on le sait et qu'on s'attendait à ce que ça finisse comme ça. Là, en plus, tu as eu le départ de Messi, mais je pense pas que ça soit la seule cause à effet, parce que les deux classiques l'année dernière, avec ou sans Messi, le Barça les perd aussi. Mais moi, ce que j'ai trouvé inquiétant, en fait, dans le match, c'est tout à l'heure, Bruce, tu disais le Real n'a pas non plus mangé le Barça. Mais c'est ça que j'ai trouvé inquiétant, oui, c'est qu'on a vu un Real qui n'a même pas forcé. Il n'y a pas besoin de les manger, ouais. C'est ça, ils ont même pas. C'est comme le Bayern pendant le 3-0, ils ont joué tranquillement et ils mettent 3-0 au Barça. Tu sentais qu'ils allaient quand même gagner le Real alors qu'ils n'étaient pas ouf ou quoi, ils ne surdominaient pas, j'ai eu ce sentiment aussi. Il n'y avait aucun pressing, rien du tout en première mi-temps. On a vu, pourtant, quand tu presses des joueurs comme Busquets, Piqué, on sait ce que ça donne, mais ils se sont dit on va juste attendre qu'ils fassent l'erreur et les manger en contre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire contre ce Barça, il n'y a même pas besoin de se fatiguer. Quoi. Le Real, ils pensent plus à leur match contre Osasuna mercredi que contre le Barça hier. De toute façon, ils avaient ciblé le côté à Vini, c'était on va chercher Vini dans le dos ou quoi, pour qu'il ait de la vitesse du 1 contre 1, il fera des diffs et voilà. Ouais, tu sens que c'était ciblé. Mingueza a tellement été pris que Mingueza, il a passé l'après-midi. Très compliqué. Hein. Après, en vrai, Vini, faut se le taper. Hein. Non, mais oui. Tu mets n'importe quel latéral aujourd'hui, un Vini, un mec aussi, tu sais, même si des fois, il n'est pas toujours parfait, mais aussi vif en 1 contre 1, il est casse-couille, il est dur à prendre. Pour vous, il y a péno ou pas ? Sur qui ? Sur Vini. Sur Vinicius, attends, c'est. Quand il rentre dans la surface. Rappelle-moi. Ça peut siffler, moi, mais c'est un peu léger, mais pour moi, il y a contact au niveau du bassin. Pour moi, il n'y a pas péno. Moi, je pensais qu'il y avait péno. Ça peut siffler. Moi, je pensais qu'il y avait péno, et sous un autre angle après, je me suis dit, ça m'a fait douter sous un autre angle. Mais au début, je pensais. En fait, Mingueza, il s'arrête, et Vinicius, il essaye, en fait, de jouer le choc. Mais il n'y a pas de choc, parce qu'en fait, Mingueza s'arrête. Mingueza, il fait aucune faute. Il est là, il va pas non plus. Ça se discute, quoi. Il n'y a pas de scandale pour moi. Il n'y a pas pénalty. Non, il n'y a pas de scandale dans les deux. Ça aurait été abusé. Non, mais Franek, il y a un truc, moi, honnêtement, je parle pour moi, mais j'étais un petit peu déçu de la presta du milieu de terrain barcelonais. Ouais. Alors, De Jong, c'est vrai qu'on en a dit beaucoup bien ces derniers temps. Ouais. Franchement, il n'a pas été top dans ce match-là. Il n'a rien proposé. Gavi, il a fait que de jouer en retrait. Il n'était pas du tout inspiré. Il était toujours en retard. C'est pas qu'on veut enfoncer le Barça, mais concrètement, c'est quoi la solution, quoi? Bah, ce qu'il y a, c'est que la solution, c'est de toute façon du temps, c'est de retrouver aussi un plan de jeu, parce que là, depuis le début de saison, il n'y a plus du tout de plan de jeu. Alors, beaucoup de personnes pensent que je défends souvent Ronald Koeman, mais c'est juste que, tu vois, tu parlais de Gavi, mais est-ce qu'on peut en vouloir vraiment à un mec qui est né en 2004 de faire un match moyen contre le Real? Et pareil pour Mingueza, le mec, il a une saison entière dans les jambes. Enfin, c'était pareil pour Pedri, où beaucoup de choses reposaient sur lui il y a quelques temps, machin pareil. Même Fati, on peut pas tout demander à un gamin de 18 ans. Et en fait, le problème du Barça, c'est que vu que la transition, elle a pas été faite parce qu'on avait une direction qui était madrilène, clairement. le problème, c'est que la transition, elle n'est pas faite. Et du coup, tu te retrouves avec un effectif où tu as des joueurs qui sont trop vieux et qui n'ont plus le niveau. Je pense notamment à Piqué, Busquets, tout ça. Même si Busquets fait un bon match hier, Piqué fait un assez bon match, même contre Kiev. Et avec des joueurs qui sont trop jeunes et qui n'ont pas encore le niveau et qui, du coup, ne sont pas accompagnés. Tu as très peu de joueurs qui sont dans la fleur de l'âge. Il y a Depay. Mais en fait, quand on regarde dans l'effectif du Barça, est-ce que vous pouvez me citer un joueur qui est top 10 à son poste?
à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a Ter Stegen que tu pourrais dire. À part Ter Stegen, je vois ouais, pas. Ouais, mais Ter Stegen depuis un an, il est moins bon. Il reste quand même dans le top 10 des meilleurs gardiens au monde. On va pas se mentir. Oui, mais Alba, c'est son mental. Alba, quand il est en confiance, il peut être bon. Et il a des périodes où tu sens qu'il plonge mentalement. Et le mec, des fois, tu le reconnais moins. Alors que s'il est en pleine position, que ses moyens, il se pète pas trop, il est en confiance, ça peut revenir. Des meilleurs. Ouais, mais mentalement, des fois. Alba, c'est quand même, quand même un mec qui a pleuré en fil à la mi-temps. C'est alors ça, c'est encore en travers de la gorge. Non, ouais, le chat parle de De Jong. Le chat essaie de trouver des gens, quoi. Mais non, De Jong en ce moment, non. Oui, non, mais De Jong, quand il se transcende, enfin, quand il a son meilleur niveau, mais depuis le début de saison, non. Et en fait, le problème, c'est que. Je vais peut-être me faire insulter, mais c'est mon avis. Bon, je sais pas, top 10 ou ce que tu veux. Si c'est une équipe. Allez, balance! Non, mais si c'est une équipe, si c'est une équipe où t'as le ballon, ça serait un Barça qui serait pas mal, parce que pour moi, le Barça en ce moment ne lui convient pas. Un Busquets dans ses chaussons, il a peu d'équipe. Un Busquets, tu le mets quand tu le vois en Espagne ou ce que tu veux, dans une équipe qui tourne autour, mais il faut une équipe qui tourne autour, parce que c'est un mec qui est pas très rapide, ce que tu veux. Si tu le mets dans ses souliers, une équipe qui est forte autour et tout, lui, il te fera un taf monstrueux. Mais dans un Barça, voilà, mais dans un Barça actuel, ça lui convient pas, parce qu'il est pas fait pour faire des efforts dans tous les sens. Donc, tu as l'impression que par moment, il va être à la rue complète. Mais avant, il était tellement fort aussi parce que tu avais un Barça qui avait tout le temps la possession avec Xavi Iniesta. Du coup, quand il est comme ça, il se régale, le mec. Busquets, il n'est pas si vieux que ça. Je pense que, comme il dit Bruce, c'est qu'il est mal entouré. Mais il me semble qu'il a, je sais pas, 32 ans, quelque chose mais comme Busquets, ça. Mais Busquets, d'il y a 15 ans, un Busquets d'il y a 7-8 ans, tu le mets aujourd'hui dans le Barça, là, tu aurais l'impression qu'il est à la rue aussi par moment. Tu te dirais, oh, c'est pas un top joueur. Moi, c'est mon avis. Parce que l'équipe autour, il y a trop d'espace. C'est un mec qui va pas vite. Il est fait pour avoir le ballon avant tout aussi, même si à la récup, il est intelligent. C'est pas un mec qui est fait pour couvrir des espaces. Il est fort dans une équipe qui a le ballon, qui maîtrise son sujet. Mais en fait Busquets, c'est un playmaker. C'est un mec qui fait jouer les autres. Il est censé avoir des mecs autour de lui pour faire briller les autres. C'est pas lui qui brille, c'est lui qui fait briller. Donc c'est comme avec. Après, il y a quand même eu des moments où c'est un leader d'une équipe et il y a aussi des moments où il a un peu été naze. Tu vois, genre, il n'est pas exactement le même niveau qu'il y a 7 ou 8 ans. Et c'est vrai qu'il n'est pas fait pour gérer des transitions, ça, on est totalement d'accord. Il a une charrette énorme. Mais il y a aussi des moments où lui, dans ses placements, dans ses retours et dans sa façon d'aborder l'espace, il n'était pas bon. Tu vois. Ouais, mais il n'est pas fait pour aborder l'espace quasiment. Non, mais après, il y avait des moments où avant, le Barça jouait toujours haut mais avait plus le ballon. Il maîtrisait tout le Barça à ce moment-là. C'est ça qu'il faisait aussi. Mais c'est pas que le contexte. C'est la défense derrière. Il est moins bon qu'il y a 7-8 ans, tu vois. Franek. Ouais, mais c'est aussi la défense derrière qui est beaucoup moins sereine. Et effectivement, Busquets, après, il y a aussi le fait que, il faut se le dire, quand tu joues contre une équipe qui joue en transition, mais il est dépassé par les événements. Bah oui, je l'ai pas vu faire un retour défensif depuis 3 ans. Et même techniquement, il y a des matchs où il passe complètement à côté et c'est surprenant de Busquets. Pas techniquement, bizarrement, Busquets avec l'Espagne, quand je le vois et tout, avec une équipe quand même qui est plus équilibrée, je suis désolé, c'est un des meilleurs à chaque fois, j'ai l'impression. La dernière fois encore, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça qu'il faut, je pense, faut voir l'équipe autour. Parce que quand je vois le Busquets la dernière fois et tout, et que je le vois des fois avec l'Espagne, avec des mecs qui cavalent autour où c'est un peu mieux organisé, je me dis qu'il n'est pas complètement fini. C'est aussi le Barça qui lui correspond moins parce que l'équipe était plus forte avant. Enfin, s'il est moins fort qu'avant, je dis pas qu'il a son top, mais il est capable encore de faire 2-3 choses. Franek, on te laisse le mot de la fin pour ce classico. Oh là, le mot de la fin, c'est que ça va être compliqué. Bon, ça sent que je suis un peu dépité dans ma voix. Le mot de la fin, c'est qu'il faut être patient avec ce Barça, tout simplement. Mais après, il faut quand même que le Barça retrouve son jeu. Moi, c'est tout ce que je demande, c'est de retrouver un minimum. Pas de maîtrise, mais de jeu, un minimum d'honneur. Parce que là, le Barça n'a même plus d'honneur, en fait. Et perdre des matchs, ça ne me dérange pas, surtout perdre ce genre de match. Mais la manière dont le Barça l'a perdu, parce que le Barça n'a clairement rien montré, à part l'action de Dest, où il met des lucarnes pied gauche avec les States, et avec nous, il rate point de pénalty. Il y a l'action de Depay à la fin, où je pense que je lui ai insulté toute sa descendance juste avant le 2-0. Il faut prendre son mal en patience. T'as l'impression qu'ils sont inoffensifs un peu, tu sais, inoffensifs. Mais oui, en fait, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien défensivement. Ils sont à la rue, offensivement, ils ne trouvent plus les solutions à part tourner autour de la surface. Ils sont incapables d'écarter un bloc et de trouver les espaces. Et même quand ils arrivent à trouver les espaces, ils n'arrivent plus à les exploiter. Ouais. Donc, le problème, c'est que tu as un trop grand gap dans l'effectif. Tu as un effectif qui est incomplet parce que même en termes de niveau, l'effectif, il est pas mal. Mais l'effectif, il est incomplet parce qu'en termes de profil, tu n'as pas du tout ce qu'il te faut pour battre ce genre d'équipe et pour réaliser le jeu que le Barça devrait jouer.
Et après, peut-être un changement d'entraîneur aussi ferait du bien. Mais là, maintenant, tout de suite, au tout début de saison, sachant le marché des entraîneurs, parce que Xavi, ce n'est pas une solution miracle, je ne vois pas comment le Barça pourrait trouver un entraîneur qui pourrait... De toute façon, tu es limité par l'effectif, donc bon... Ouais, c'est ça, n'importe quel entraîneur. Et puis, se ferait bouffer par le vestiaire aussi, on ne se rend pas compte. Vaut mieux attendre le bon moment pour Xavi ou quoi. Il faut pas s'en faire. Ouais, ouais. Bah, ouais. Ou il faut prolonger Sergi Roberto pour 4-5 ans aussi. C'est non, 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 sache que je mène une propagande contre Sergi Roberto sur Twitter. C'est très important. Sergi Roberto, Piqué, Busquets, Alba, vous un voulez bon pas petit Lyon, 5 ans supplémentaire. Non, à non, Lyon, non. À Lyon, Sergi Roberto. Alors hey, écoute-moi bien, Frédéric. Je te jure qu'à Lyon, notre milieu, il est meilleur que le vôtre. Ah oui, non, mais oui. Franchement, ah, il y a match. Ah, non, mais c'est sûr. Il y a match. Ça il y a même match. Même Sergi Roberto, on le met en N2. Hein. Franek, merci beaucoup. Mais Piqué, merci non, j'ai pas, moi, je cherche des. Merci beaucoup à vous, les gars. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Alors attendez, apparemment on a encore un supporter qui voulait réagir justement. Alors tu me dis, Juano, hein, c'est supporter du Real, c'est ça? Ok, on a un supporter du Real qu'on ah non, en train pas d'appeler. Cette fraude, c'est Ben. C'est Ben. Ah, hein. Ah là, la misère de misère. Bah c'est un habitué du chat, hein. Bruce c'est le connaît très bien. C'est une belle fraude. On l'a avec nous, Ben, tu m'entends? Bah vas-y, braque Castour, on ne dira rien. Allô. Allô. Vous m'entendez? Ça va? Salut. Ça va et vous les gars? Ouais, bienvenue dans Hors-Jeu. Pourquoi tu fais le timide comme ça, Benz? J'avoue, t'es moins timide sur le chat. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai l'impression qu'il est un peu timide. Ouais. T'as un gamin, Brak qui te met dans la sauce. Hein. Ouais, ouais, là il est un peu moins. Hein. Bon, non, ça va bien? Je suis fatigué. Ah, c'est la fatigue. Apparemment, tu voulais venir toi aussi réagir hein, sur le match du Real. Ouais, c'est ça. Parler un peu du Real, du Classico, de la saison qui nous attend et régler quelques comptes avec Bruce, quoi, parce que je fais un peu ce malheur à mon goût. Eh ben vas-y. Tu veux pas qu'on commence par régler quelques comptes, là? Réglez-moi ça. Ah, il veut m'attaquer d'entrée, là. Eh ben, on t'écoute, Benz, vas-y. Non, mais je pense, on parlait du Ballon d'Or, on parle souvent sur le live de Bruce. Non, mais je pense, en fait, le truc, c'est que certains oublient que Benzema porte le Real depuis plusieurs saisons. Ouais. Personne n'oublie ça, que... on est tous d'accord là-dessus. Ah mais ouais, non mais d'accord, mais en fait moi ceux qui disent Messi Ballon d'Or tout le temps, c'est que je crois qu'en fait je regarde pas le match du Real et de Benzema, quoi, parce que moi je me dis un mec qui porte le Real depuis plusieurs années depuis le départ de Cristiano et qui voilà qui score, qui met des gens en confiance, qui malgré que voilà avec Vinicius ça se passe parfois mal et tout, mais bon moi je sais pas, je sens qu'il, en fait j'ai que lui qui mérite le Ballon d'Or pour moi, tu vois, c'est ça le truc. Bah en même temps tu t'appelles Benz, c'est ton pseudo, j'avoue. Non, mais, même moi, je m'appelle même pas Messi Léo dans mon pseudo, moi, tu vois, donc c'est non mais Benz, son argument se tient complètement. Non mais il se tient, mais Benz, là on est sur le débrief du Classico, tu viens nous dire Benzema il doit non, prendre le Ballon d'Or. Non mais ça, je crois c'était prévu, hein. Non mais venir les débats Ballon d'Or. Ah non, Benz. Non mais on aimerait tous que Benzema soit Ballon d'Or. On reconnaît tous que Benzema il porte le Real. Pourquoi il le mérite pas. Pour moi, il est top 3. Oh, les gars. Il le mérite pas beaucoup plus que Lewandowski. C'est quasi kiff-kiff. Et Messi, bah, l'année dernière, dans un Barça qui est pas ouf non plus, tu vois. Tu regardes les stats et tout, puisque on va parler de stats. Messi, il portait le Barça. Saison, non, mais Messi, il est parti saison. Du Barça, il n'y a plus rien. Non, mais Bruce, il n'a rien gagné depuis. Benzema, il a gagné la Ligue des Nations. Messi, il a gagné la Copa au Brésil en finissant meilleur joueur, meilleur buteur. Il a gagné la Coupe du Roi, il a fini meilleur meilleur passeur. Il est devant au niveau ça. Depuis le départ de Xabi Iniesta, Messi n'a. Bon, certains vont m'insulter, mais je suis désolé, il a quasiment rien fait. Bon, il score ses buts, il met ses buts. Et Benzema, depuis le départ de Ronaldo, il a gagné 12 Ligues des Champions aussi dans ces cas-là. Non, mais s'il y a argument et contre-argument, c'est comme si je peux te dire la même chose. Benzema, depuis que Ronaldo est parti, est-ce qu'il a gagné 12 Ligues des Champions? C'est la même chose que tu me dis. Non, l'équipe, il gagne la on est d'accord. Il gagne la Ligue des Champions. Mais non, mais le Real de maintenant est moins fort que le Real d'avant. Le Barça, c'est encore pire. Le Real est meilleur que le Barça en ce moment. Le Barça, c'est encore pire. On est d'accord sur ça. Prends en compte le fait que Benz, il est à distance, donc quand tu le coupes, lui, derrière, c'est compliqué pour lui. Vas-y, Benz, vas-y. Non, mais j'entends les arguments de Bruce, d'accord. Sauf que Messi, depuis 2-3 ans, il a strictement rien gagné. Après la Copa, d'accord, il gagne la Copa.
Il a emmené le Barça en demi de Ligue des Champions à lui tout seul. Il est incorrigible. Vas-y, Ben, vas-y. Non, je sais, non, mais d'accord. Bah, tu vois, on peut parler cette année, tu vois. Regarde cette année, enfin l'année dernière, avant qu'il quitte le Barça. Dis-moi, il a fait quoi au juste, Niveau, bah, puisque le Ballon d'Or, c'est beaucoup les stats. Il a des meilleures stats en Liga que Benzema. Il a gagné la Coupe du Roi, donc il a fait mieux que Benzema à ce niveau-là. Et après, il y a une Copa que tu oublies qui est au Brésil, qui est historique pour Messi, même pour l'Argentine, de la gagner là-bas. Ouais, mais je suis le meilleur joueur. La Copa, il a quasiment... Franchement, il a scoré. Je crois que je l'avais noté en plus. Ça, le père. Mais il a pris meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur de la Copa. Tu vas me dire qu'il a rien fait à la Copa. Oui, il est meilleur buteur, mais en phase de poule, dans les phases finales. Non. Je suis pas d'accord. La finale, il n'a pas été incroyable. Il joue un peu blessé. Le reste de la Copa, il a roulé sur la Copa. Non, je suis pas d'accord. Écoute-moi, le seul match dans les phases finales où il a marqué, c'était quand ? C'était, je crois, face à l'Équateur et c'était en fin de match. Ah, mais donc tu t'arrêtes sur les buts. Dans le jeu, s'il fait des diffs, des passes, des secondes passes, il n'est pas obligé de marquer tout le temps, tu vois. Il y a les matchs, tu l'as dit toi-même, il faut regarder les trucs. Et on est en direct d'actu foot, là. Ah ouais, non. Bon, Ben, écoute, on remettra ce débat une autre fois. De toute façon, le Ballon d'Or, c'est pas encore. Quand il sera. Les votes sont clos, apparemment. Oui, les votes sont clos. Hier, ouais, c'était clos. Mais quand il sera question de remettre le Ballon d'Or, Ben, écoute, tu reviendras, voilà. Ben, je dis de manière franche et massive, t'inquiète pas, tu reviendras. Merci beaucoup, Ben, en tout cas, pour ta contribution, c'était cool. Je peux demander juste une petite chose à Bruce? Très court, Ben, vraiment. Ouais, très court. Est-ce que juste tu peux me faire un petit dédicace à Eton, ça te dérange pas? Ah, Payton, c'est une fraude. Dédicace-moi. Bon, vas-y, puisque c'est le seul moyen pour que tu raccroches, dédicace à toi, Payton. C'est pas avec le cœur, mais non, je rigole, il est gentil au fond, Payton. J'ai une dernière chose. Bruce, sur tous ses lives, il dit « Messi, c'est sûr et certain, il est Ballon d'Or 100%, je vois pas comment il peut... » ne pas l'être. Je lui envoie un don. Je lui dis quoi ? Je lui dis, si Bruce, il est Ballon d'Or, je lui passe 5 subs, tu vois. Donc, c'est tout bénef pour lui. Écoute-moi. Et je lui dis quoi ? Je lui dis, si Messi n'est pas Ballon d'Or, tu mets Eton modérateur. Et je te jure, elle a commencé à bégayer. Il parlait chinois. Il a commencé... Laisse tomber. Franchement, Bruce, tu dis, oui, il mérite le Ballon d'Or, mais quand... Merde, tu m'envoies un message, là. Oh, Marcel. Bref, quand je dis ouais, Meiton Modo ou quoi, là, tu bégayes en fait. Sur 100%. Merci, Bruce. Non, pour finir, parce qu'il dit que je bégaye, si Messi est Ballon d'Or, ça te fera du mal, mais tu m'offres un maillot du Barça. Si Benzema est Ballon d'Or, je t'offre un maillot du Real. Vas-y, on fait ça. Merci, Benz, beaucoup. Et on te reverra quand on reparlera du Ballon d'Or. T'inquiète pas, il y a aucun problème. Merci à tous. Revenons dans le Tour d'Europe parce que voilà, il y a eu des choses bien plus intéressantes en tout cas que le Ballon d'Or. Il y a eu cette débâcle de Manchester United, une vraie débâcle face à Liverpool. En tout cas, victoire de Liverpool. 5-0, c'est assez critique en tout cas. C'est vrai qu'hier on a vu des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir en tout cas. Le maillot du shérif, ouais. Bon, ça aussi on en parle. Il va faire beaucoup de maillots cette année, je crois. Je vais en gagner beaucoup là, parce que je vois qu'il y en a qui veulent parier des choses, mais ils sont pas lucides. Bruce, à la fin de la saison, il ouvre une boutique là. On est parti là, il est très très bien. Zal, je veux dire, c'est vrai que c'était le plus gros choc en tout cas d'Angleterre. Et là, de ce qu'on entendait en tout cas, ce qui s'est passé hier, c'est quand même assez historique. T'as dit le plus gros choc d'Angleterre. Liverpool, c'est le plus gros match en Angleterre. Non, mais là, en ce moment. Ah non, mais pas en ce moment-là, je parle historiquement parlant. Honnêtement, on ne savait pas de quelle manière ils allaient se faire manger, mais tu vois, là, ils se sont fait manger bien comme il faut. Encore une disaster class de Maguire, je ne comprends pas ce défenseur. Ouais. Là, il ne revenait pas de blessure, donc. Il était là. Là, j'arrive pas. Là, il était bien là. Ouais, j'arrive pas. La dernière fois, j'ai voulu le défendre un petit peu. Je me disais, il revient de blessure, donc j'ai voilà. Mais moi, ça fait 10 fois que je le vois jouer. Ça fait 10 fois que même moi, si je vais sur le terrain, je fais mieux. Je plaisante même pas. Arrête, Zalon, c'est que tu donnes toi la première accélération. Zal, ça commence, les gars. Je vous dis, à chaque fois qu'on fait un foot, il fait
trois passements de jambes, une accélération. Après, il est sur le bas-côté. Il n'en peut plus, là, tout au début, tu te dis, oh, il y va, salaud. Deux secondes après, il est sur le côté. Généralement, je ne fais pas ça, mais j'ai 45 ans. Faut... Non, mais tu as l'impression de voir Ginola, des fois, tu sais, et après, derrière, il n'y a plus personne. Ah, ça, Ginola, trois secondes. En vrai, pour revenir sur le match, parce que j'ai revu vraiment tous les buts à la loupe et tout. Alors Maguire fait un très mauvais match, je suis totalement d'accord avec toi Zal, mais d'autres qui font un très mauvais match, c'est les offensives de Manchester United. Les 5, et pas pour le côté offensif, mais pour le côté repli et le côté placement. Vous regardez les 5 buts de Liverpool, les 5 buts viennent du côté droit à des moments où réellement Trent Alexander-Arnold avait 50 mètres devant lui, laissé totalement libre à des moments par Rashford, à des moments par Bruno Fernandes, sur des moments où Luke Shaw était malheureusement pour lui obligé de resserrer au centre, tu vois. Et vraiment, Luke Shaw, il a dû gérer des 2 contre 1 et des situations, était obligé de laisser son côté absolument tout le match. Alors sur le 3e but, Luke Shaw, je le trouve qui est fautif, mais en dehors de ça, que ce soit le milieu d'United qui était à 2 et qui était à des moments très mal placés, ou alors les offensifs, donc Rashford, Fernandes, des mecs qui n'ont pas fait les efforts de repli pour venir aider, t'as Salah qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, tu l'as laissé un free pass. Prenez, c'était hallucinant, sincèrement, il n'y en a aucun qui s'est mis au niveau d'une telle échéance côté United, et que ce soit les offensifs ou autres, même dans la simple mentalité, ça a été calamiteux. Retournez voir les 5 buts de Liverpool, les 5 c'est côté droit, et les 5 fois, le mec de Liverpool, que ce soit donc du coup Trent ou alors Salah, avait le champ libre, c'était calamiteux. Voilà. Moi, Zach, je vais te dire, moi franchement, j'ai du coup très bien regardé le match et honnêtement, je respecte ton analyse. Hein, t'as tout à fait raison dans ce que tu dis, mais le problème, il n'est pas là. Hier, je suis désolé, c'était commandité. Hier, quand tu regardes les premières minutes, avant même que Naby Keïta ouvre le score, t'as déjà une première action. Je ne comprends pas comment Salah se retrouve tout seul. T'as Maguire, t'as Lindelof, ils sont autour de lui. Ils le regardent, ils le laissent tout seul, sans même revenir sur lui, sans même couvrir en fait. C'est-à-dire que pour moi, hier, ce que j'ai vu, franchement, j'ai vu des joueurs carrément se mettre des CSC. C'était des contrôleurs. Mais Bruce, ils ont fait n'importe quoi. Vois ce que tu veux dire. Ils ne voulaient pas défendre. Je vois ce que tu veux dire, mais parce que je vois où tu veux en venir en mode ils veulent faire virer Solskjaer. J'ai entendu ça. Pour moi, tu ne donnes pas un match comme ça. Pour moi, après, ils ont lâché, ok. Mais en fait, ils commencent le match. Le truc, c'est que Manchester, on dirait qu'on découvre depuis le début de saison. On dit c'est un peu comme Paris. Des fois, ils prennent des buts. C'est nul au tout début, les premiers matchs. Non, mais collectivement, il ne se passe rien. Et là, tu le vois dès le début. À chaque fois que Liverpool attaquait, tu sentais que ça pouvait faire but. Manchester attaquait, c'est statique, ça propose pas grand-chose. Liverpool, ils ont juste à attendre les bras croisés et le ballon, il leur reviendra, ils le récupéreront à un moment donné. Mais c'est même pas attendre les bras croisés puisqu'ils leur ont servi sur un plateau, ils leur ont donné les buts. Salah, il était tout seul comme ça au milieu. Parce qu'ils se chient dessus, ils sont pas en confiance et que Liverpool est en mode rouleau compresseur, ils ont marqué très vite. Du coup, d'entrée, ça a enterré, ils ont paniqué mentalement, ils étaient au plus bas. Et Liverpool, ils en ont profité, ils ont enfoncé le coup, ils ont mis le deuxième et derrière, c'est fini. Et après, collectivement, ils ont aucune certitude aussi, et ça United ça date pas dire, même quand on les voyait peut-être faire top 4 ou être un sérieux contender pour la PL, United on avait déjà dit à l'époque que collectif ce serait pas par le jeu collectif, ce serait par l'apport des exploits individuels où effectivement ça pourrait être un peu mieux, mais la défense fait un mauvais match hier, mais je vous jure que le comportement, que ce soit même des milieux ou des attaquants sur des phases où Salah et Trent Alexander-Arnold étaient décalés et où ils avaient 50 mètres de libre, c'était absolument calamiteux. Même Fred McTominay, c'était nul. Non mais franchement, hier, la défaillance, elle est totale. Alors Solskjaer, je veux même pas en parler parce que le mec, en fait, quand tu vois ça, c'est même pas que tu peux intervenir ou pas intervenir, c'est qu'est-ce que tu veux faire. T'as même pas moyen, en fait, de changer les choses. Solskjaer, c'est Pochettino, Brack. Parce que tu vois, Pochettino, il met un 11 et vas-y, on va voir ce qui se passe. On laisse la magie opérer. Mais non, mais tu vois tes joueurs qui s'abordent eux-mêmes. Comment tu peux intervenir dans ces cas-là. Cristiano Ronaldo, on le sait, des fois, il a des Non, mais là, on peut même pas lui jeter la Mais le mec, il a pété les plombs, alors que c'est rare de le voir péter les plombs comme ça. Mais parce que là, il s'est rendu compte, il s'est dit la honte, carrément, on se fait fumer, et tu vois le comportement des autres, tu sens qu'il n'y aura pas de révolte et que tu vas te faire terminer. C'est un effet domino, ils ont tous craqué un par un, et voilà. Pogba, il rentre, il est frustré, parce qu'en ce moment, il chauffe le banc, parce que bon, il a peut-être été un peu moins bien, tu sens que tout le monde est frustré, ça joue mal, de temps en temps, contre l'Atalanta.
En vrai, c'est l'Atalanta, ils font un peu le con. Ils mènent et tout. Après, de mener 2-0, on sait que l'Atalanta, des fois, ils peuvent aussi encaisser des buts. Mais tu le vois, dès qu'une équipe, collectivement, joue à peu près bien, elle peut faire tellement mal à United. Et là, on parle de Liverpool. Tu mènes 2-0, c'est Liverpool, tu sais que ça va mal finir derrière. C'était vraiment le pire moment pour jouer Liverpool, pour Manchester United. On s'attendait à une déroute. Mais ils ont d'autres gros matchs, là, je crois, en plus. Pas à ce point-là. Oui, ils enchaînent. Ils ont une bonne période, là. Ça fait vraiment mal. Et puis, à un moment, tu vois Cristiano, il y a un ralenti où il dit mais. Oui, laissez-les dire, mais là, ça va droite, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. De toute façon, hier sur le terrain, il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Il n'y avait que. Franchement, les joueurs, hier, ils n'étaient pas là. Ils voulaient terminer. Pour le coup, on sait tous que Liverpool est bien au-dessus de Manchester United. Et il y en a, comme j'avais dit un peu plus tôt dans la saison, il y en a, ils ont tendance à sous-estimer Liverpool par rapport à la saison passée, parce qu'ils avaient 1 milliard de blessés, mais ce n'était pas le vrai Liverpool la saison passée. Là, on voit le vrai Liverpool, ils roule un peu sur tout le monde. C'est une des meilleures équipes en ce début de saison, peut-être la plus impressionnante, une des plus impressionnantes. Et tu le vois, le truc, c'est que le comportement de United, les joueurs, c'est honteux par contre. Tu vois, c'est juste une question d'honneur, de dignité. Oui. C'est vrai que c'est abusé. Ouais, c'est pas ils normal sont pas de mis couler au comme d'une ça. Telle rencontre, je suis totalement d'accord. Non, ils ont baissé pavillon trop tôt, même s'ils s'en sont pris deux, t'as compris, dans leur tête, c'était finito, et c'est pas normal vis-à-vis des supporters. En fait, il y avait aucune volonté de réaction, il y avait rien. Enfin, moi, franchement, défensivement, on le savait depuis le début de la saison que c'était vraiment le problème de Manchester. Alors là, en plus, pas de chance, parce que Varane, il se pète au pire des moments. Pour moi, c'est pas le seul problème. Non, mais est honteux, Solskjaer, mais c'est pas ça qui fait que les joueurs, ils doivent lâcher dans leur tête à ce point-là. Les joueurs aussi, il y a une remise en cause, c'est pas normal. Je parle pas de Solskjaer, je parle de la défense. On s'est dit au début de la saison, les vrais problèmes de Manchester, c'est quoi? C'est la défense, c'est ce milieu de terrain, c'est comment tu vas pouvoir réussir à faire en sorte que Pogba et Bruno Fernandes réussissent à s'exprimer sur le terrain. Quel milieu de terrain? Il y avait plein de questions, mais en fait, moi personnellement, je trouvais ça super excitant. C'est-à-dire que tu avais des challenges, en fait. On va pas se mentir, t'as de la matière à United. T'as Shaw qui, le mec, c'est un phénix, le mec, J'ai l'impression que là, tu pourrais tenir ce discours pour le PSG, il fonctionnerait. Sauf que le PSG, c'est moins catastrophique. C'est différent. Bah, dans le jeu, c'est une catastrophe, je suis désolé. Non mais t'as matière à faire, mais dans le jeu, il se passe pas grand chose. En fait, t'as tout pour reconstruire quelque chose de solide et d'incroyable à United, mais en fait, non, quoi. Déjà, les joueurs, hier, ils se sont sabordés, ils savaient pas où ils allaient, et t'as un coach sur le banc qui a aucune idée. Le mec n'a aucune créativité, je suis désolé. Solskjaer, moi, je l'adore, j'aime beaucoup. On l'a vu, ce joueur, on est fan de ce joueur, de ce qu'il a fait, mais là je suis désolé. Là, plus il va rester, plus, en fait, il va se faire détester des fans de United, alors que le mec, à la base, c'est une icône. Ça parle de Conte, là, je crois. C'est pas Conte, ça parlait pas de Conte ou l'autre, Tenag. Ça parle de Tenag, mais il y a un moment donné, moi franchement, je suis Solskjaer, je pars après le match. Je te dis, je démissionne, ça sert à rien. Mais surtout là, c'est contre un rival historique, tu te fais humilier en une mi-temps, en 20-30 minutes, tu savais que t'allais te faire exploser. Même s'il avait beaucoup de crédit auprès du board, ce serait pas étonnant que ça ait un petit peu changé après 5-0. Ah bah là, franchement, ils ont dû en parler. Moi, vraiment, je suis d'accord sur la lecture de la défense qui a été cata. Mais après, encore une fois, dans l'équilibre d'un match, c'est sur général, phase défensive, c'est de la compensation. Ouais. Tu vois, t'as tes milieux qui viennent compenser à des moments quand il y en a un qui doit recentrer ou alors écarter. T'as les attaquants qui se mettent également au diapason. Sinon, si t'as un mec comme ça là qui combine avec Alexander Arnold, t'as ton show qui se retrouve en 2v1 constant. Bah là, à l'heure actuelle, même les offensives, même les milieux d'United, à des moments étaient soit côté ballon et de l'autre côté ça suivait pas, soit ils étaient perdus. Donc franchement, tactiquement, re-regarder ça, c'est une masterclass de ce qu'il faut pas faire. Non, vraiment, mais évidemment, c'est absolument calamiteux. Ça a été calamiteux. Sur l'analyse tactique, il n'y a rien à dire. Après, Liverpool, tellement fort aussi, il faut. Ah non, Liverpool, ils déglinguent tout le monde. Je sais qu'ils avaient des blessés et tout, mais je ne gênais pas à ce niveau. Non, gros respect. Bon, t'as Salah qui marche sur l'eau, mais au-delà même de lui, qui est extraordinaire. Je veux dire, là, l'équipe. L'équipe s'est retrouvée. Mais en fait, dès qu'ils attaquent, tu te dis, ça peut finir en but. Ça, c'est tranchant. Dès que ça attaque, tu te dis, ça peut finir en but ou en action. Tu vois, Manchester, ils attaquaient. Liverpool, ils se mettaient en deux lignes, là, ils attendaient. Tu savais que ça allait finir par un parpaing dans la surface, je ne sais pas quoi, ça allait rien donner. Ça aurait été terrible. Zal, et après, on a quel notre supporter à United. À 2-3 jours près, c'est quasiment le même 11 vainqueur de la Ligue des Champions. Enfin, il manquait Mané au. Celui qui l'a remporté. Il y a quasiment la même équipe. Et puis le retour de Van Dijk, à mon avis, fait beaucoup de bien. Ah, mais ça, on l'a dit depuis le début. Hein. Même les latéraux, à un moment, Trent, il a été moins bon. Après, il a eu des pépins. Là, ils ont retrouvé leur niveau, la confiance, la stabilité avec la dernière. Henderson et Naby Keita. Et Keita, il a quoi au final? Parce que Pogba, il l'a fumé. Franchement, à vitesse réelle et sur les ralentis, j'avais pas l'impression qu'il avait pris un coup de ouf. Mais quand même, c'était chaud.
Ouais, c'est un sale coup. Moi, ça m'a ouais. fait un peu peur. Je sais pas, au final, j'avoue, j'ai pas vu derrière ce que ça disait pour lui, mais pourtant, il est en forme, lui. Mais des buts, il est. Je pense que, comme il dit Zach, à mon avis, ça doit être un coup. Après, contusion, j'espère... apparemment. Bah, oui, ça voilà, va. Si c'est que ça, moi, j'avais peur qu'il ait parce le. Parce qu'il n'y a pas eu de tension, il n'y a rien. Non, mais il pouvait lui avoir pété quelque chose. Comment ouais, il a. Possible, j'avais peur possible. De ça, ok. C'est vrai mieux. Que le coup est assez vieux. Tant mieux, tant mieux. On est avec. Alors, Juano, tu me corriges si je dis des bêtises. Neven, on est avec Neven, supporter de United. Je pense qu'il va pousser son coup de gueule. J'ai un peu enchaîné. Mais vas-y Neven, tu nous entends ? Ouais, je vous entends, vous m'entendez ? Ouais, carrément, bienvenue dans Hors-Jeu. Qu'est-ce que t'as à dire toi sur ce que t'as vu hier ? Beaucoup de choses à dire, hein. C'est vrai qu'il y a tellement de choses que là je sais pas par où commencer. Prends mais ton temps, t'inquiète. Ouais, du coup, hier c'est un peu la phase du début de saison qui est amenée ici en fait. Où on est... Je crois que déjà depuis le début de saison on n'a que un clean sheet. Donc quand t'es United, bon, on prend deux buts par match. C'est, je sais pas, je comprends pas la défense, je comprends pas des fois les compos où tu laisses Pogba sur le banc alors que c'est censé être plus ou moins ton meilleur joueur. Maguire Shaw qui, mais pour le coup l'année dernière, moi j'ai trouvé très bon sur la fin de saison. D'ailleurs on finit deuxième au final. La défense était pas si mauvaise en vrai. Non non. Et là, après l'Euro, je sais pas, ils sont cramés, je sais pas les mêmes joueurs, j'en sais rien. Et pourtant, moi, je défends beaucoup Maguire, mais bon, il n'y a pas grand-chose à défendre. Bon, hier, le match, les buts, c'est le premier but, on voit, il est en 1v3. Ah ouais, j'avoue, le premier but, il est lunaire. Je t'ai dit, un placement que tu vois en district, c'est à petit niveau. C'est comment tu peux laisser un mec comme ça tout seul? C'est pour ça que je te parle de sabotage, je te le dis. Mais non, mais c'est que les mecs, ils ont perdu. Mais oui, perdu, c'est tout. Pas logique. Vas-y, Neven. Ouais, rassure-moi, Neven, t'as une boîte de Kleenex à côté de toi ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'à tout moment, là, ça peut dépression, partir. Je suis en dépression. le croque-mitaine Salah nous a mangé hier. Alors, je te confirme. Il mange tout le monde en ce moment, ça peut te rassurer. Ouais, ouais. Même Messi, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, sur ses 10 derniers matchs, il a marqué à tous les matchs. Tu vois les adversaires, Atletico, Milan, Manchester. Enfin, il y a eu des gros adversaires, ce que tu veux. Il tape tout le monde. Il a marqué. Non, mais je suis d'accord. Neven, vas-y, excuse-nous. Ouais, non, il y a pas de problème. Non, du coup, hier, ouais, j'ai une coupure de courant après le troisième but de Salah. Ça veut dire ça. Ça veut tout dire. Non, mais c'est ça veut tout dire. Vraiment. Ah ouais. C'est terrible. Et du coup, non, là, pour moi, je sais pas ce qu'il faut faire en soi. Solskjaer, bon, c'est, je trouve que il y avait du pas mal quand même. Il fait des bons recrutements. Humainement, bah, il est pas mal. Au final, c'est quand même un jeu plus, on va dire, hein, plus poussé vers l'attaque que Mourinho et tout. Mais bon, voilà, c'est quand même pas de trophée en 3 ans. Je pense que c'est peut-être le temps là. C'est peut-être le match de trop et peut-être se tourner vers quelqu'un. Après, il y a qui sur le marché ? Il y a Zidane qui voudra pas venir. Zidane, il attend la sélection. Ah, puis Zidane, il va pas se foutre dans le merdier actuel. Là, Non, mais le pire, c'est qu'il y a un vrai challenge à United en vrai. Bah, franchement, il est vénère. Il n'est pas facile le challenge. Non, mais, si. Mais c'est un beau challenge. Tu peux très bien reconstruire. C'est un beau challenge, mais il faut pas oublier que tu es dans un championnat où il y a des Chelsea, des Liverpool, des City qui sont au top, d'autres équipes derrière. C'est un challenge qui n'est pas simple. On est d'accord. Écoute Neven, franchement, on va pas t'embêter plus que ça. Hein. On sait que c'est compliqué. T'inquiète, il y aura des jours meilleurs. Il faudra le rappeler dans une période un peu plus faste. Ouais, pourquoi pas. Voilà, parce que c'est vrai que là, c'est là. En fait, là, on va pas se mentir. Là, on fait juste que remuer le couteau et bon, il y a rien d'autre. Après, sur le papier, il y a de quoi faire quand même. On va pas se mentir. Hein. Largement. On est d'accord. À un moment, en début de saison, même Pogba, il était sur 4 passes D ou 5 passes D. Tu mets 4 passes D dans le même match. Après, ça, c'était les deux premiers matchs. Ça démarrait bien. L'histoire, elle démarrait bien. Après, ce qui fait de la peine, c'est que il y a quand même des joueurs. Tu te dis, il y a quand même mieux à faire. Franchement, la vérité, c'est triste de voir Cristiano comme ça se faire fumer. Lui, il ne peut rien faire. Il est devant, mais je veux dire, c'est triste de voir United comme ça se faire gifler chez eux, les supporters qui quittent le stade, voir Cristiano, qui pète les plombs. On l'a déjà vu un peu, mais c'est rare qu'il pète les plombs comme ça, genre en mode, mais il n'y a plus rien à en tirer. Il a pété les plombs. Ça faisait limite de la peine. Tu te dis, pour qu'il en arrive là, c'est chaud. L'image de Old Trafford en hélicoptère avec les supporters à la côté qui faisaient le tour du stade pour se barrer. Moi, j'aurais déjà quitté le stade avant à leur place. La vérité, Sean. Je crois que j'aurais quitté le stade avant. C'était choquant. Bon, merci. Neven, merci d'être passé, Pozo. Ouais, pas de problème. Et bien sûr, je chouine en silence hein, quand même, hein, parce que là. Ah, ça, c'est pas bien de dire ça, gamin. Le chien. C'est le. Ah ouais, il a
pour dit Lyon. Tiens, Prac. Ah ouais, Prac. Mais non, mais c'est pour remonter le moral. J'avoue, il tire sur les gens qui sont, tu sais, qui sont au fond du trou là, parce que. T'inquiète pas, il est pour Arsenal, donc t'inquiète pas. Mais c'était pour le faire rire. Je sais que là, il est. Et qu'est-ce que tu veux le faire rire là? T'as pas compris? Ça va. Merci Neven, merci beaucoup. Ouais, juste Prac, petite dédicace pour Ira qui est un grand fan de toi. Qui ça, pardon? Ira, c'est juste un copain. Bah, la bise à lui, merci beaucoup. J'étais à de lui faire une dédicace derrière. Il est trop gentil alors que toi t'es été une merde avec lui. Ah ouais, putain, grave, c'est honte, c'est grave. Je suis le pire de l'espèce humaine, ouais. Ah, je suis mauvais. Non, mais je rigole, évidemment, je rigole. En tout cas, merci beaucoup. Et salut à Ira. on va terminer avec la Juve, parce qu'il y avait un autre match, mais c'est con, encore une fois, comme d'hab. C'est toujours ces matchs qui se chevauchent. Après, ça allait, Barça, c'était en décalé par rapport à Manchester. En même temps que le classique. Ouais, mais on aurait pu avoir trois matchs quasi en même temps. Ça avance, ça s'est pas trop mal sorti. C'est vrai. Est-ce que ce match-là, quelqu'un a vu le résumé ou quelqu'un veut nous dire un truc avant qu'on accueille Amine, qui va venir nous en parler. On a tous regardé Paris ici. J'ai vu le résumé. C'est pas faux. Vas-y, Zach, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, j'ai l'impression que c'était un match assez pauvre et qu'en plus du fait que c'était un match un petit peu pauvre, j'ai aussi eu le sentiment que c'était un match qui a eu un petit scandale arbitral avec une sorte de faute avec Dumfries qui touche légèrement Alexandro, le tout en étant à peine au-dessus de la ligne de la surface, sauf que les deux jouent le ballon, donc c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais pas si j'aurais sifflé, j'ai pas la compétence de pouvoir juger tout parfaitement, mais j'ai l'impression que c'était pas un super match et surtout c'était un match. Moi, je trouve qu'il a eu raison de donner ce pénalty. Mais il n'est pas en dehors de la surface. Ça, c'est, je m'en fous, c'est juste une très bonne décision. Oh, t'as un très bon, mais toi, t'es... le match nul, le match nul de l'Inter m'arrange, donc bravo à l'arbitre du soir. Mais n'importe quoi. Je prends, moi. On a pas Amine avec nous, Juano? Eh bah écoutez, on a Amine qui lui a suivi le match, un gros supporter de la Juve et qui vient très souvent nous voir, nous passer un petit coucou dans hors-jeu. Salut Amine! Salut à tous les mecs, vous allez bien? Ouais. Salut, regarde, lui aussi il a été content du péno à la fin. Ah ouais. Bah voilà, on est deux, tu vois. Il y a des chances. Non. Alors, Amine, supporter de la Juve, qu'est-ce que t'as à nous dire de ce Inter-Juve? Bon, déjà, salut le chat aussi, parce que je les ai pas salués, du coup, donc ça c'est fait. Et pour revenir sur le match, non, moi je trouve que c'est un résultat assez logique, en vrai, au vu de la physionomie de la rencontre. Franchement, ça se sentait que c'était un match qui venait juste après une semaine de Ligue des Champions. Ouais. Alors, l'Inter a joué à domicile face à Sheriff, donc eux, le déplacement, ça va. Nous, on est partis quand même en Russie, donc c'était compliqué. Donc voilà, l'aller-retour à faire dans la semaine et ensuite se déplacer à Milan. Donc, assez complexe, mais ça se sentait au niveau des jambes. Il y avait pas, c'était pas vraiment à la hauteur d'un derby d'Italie. Donc honnêtement, c'est un petit peu déçu de cette rencontre. Il y a eu que très peu de tirs cadrés des deux côtés, les mecs. Hein. Il y en a eu 4 du côté de la Juve, il y en a eu 2 du côté de l'Inter. Et le tir cadré de l'Inter, alors c'est un enchaînement de conséquences pour vous dire, les gars, c'est du jamais vu. Ça part d'une action à la base où Bernardeschi est hors-jeu, il se blesse derrière, on est réduit à 10. D'accord, parce que l'enjeu n'a pas été sifflé. Hein. Donc l'action continue, Bernardeschi se blesse, on est réduit à 10. Ensuite, ça continue de jouer. T'as Çalhanoğlu qui frappe de loin, ça touche la main de Locatelli, ça la dévie sur la barre, alors que le ballon sortait carrément de l'autre côté, c'était dans les nuages. Donc ça touche la barre et ça revient sur Dzeko et ça rentre. Script Dzeko, FIFA. Il fait le taf. Dzeko, il leur fait du bien quand même. À chaque fois, c'est lui qui plante ces derniers. Ouais, c'était la menace et en plus on n'a pas su le canaliser, donc honnêtement c'était compliqué, on lui a laissé trop d'espace, trop facile à trouver dans les airs ou trop facile à trouver dos au but, donc on a très mal commencé cette rencontre. Tu racontes bien les choses, je te coupe deux secondes, mais on n'a même pas besoin des images, un conteur d'histoire, c'est beau. T'es dedans. C'est gentil. Non mais voilà, bah après vos gros fans, vous connaissez de toute façon les mecs, donc moi quand il possible la Juve, j'en loupe pas une miette, mais du coup ouais... par la suite, la deuxième mi-temps, beaucoup mieux pour nous, parce que voilà, bon après, les gars, quand tu fais rentrer Dybala et Chiesa, tu sais très bien que ça te fait changer une rencontre, tu vois. Dybala, bon, ben, il a été blessé, donc normal qu'il était sur le banc, et du coup, dès qu'il est rentré, ben, la physionomie du match, ça a complètement basculé, on a repris la possession, on a commencé à jouer vers l'avant, on a commencé à bien combiner, à bien trouver les espaces, donc c'était top. Et Chiesa, bon, il a été mis sur le banc, mais lui, c'est plus un choix tactique, parce que les deux dernières rencontres, il était un petit peu en dedans. Donc, Allegri a fait des choix justes. Moi, je décide de lui faire confiance parce qu'on a eu de la bouillie avec Pirlo la saison dernière et Sarri, c'est passé de justesse le championnat. Surtout donc, je décide qu'Allegri, de lui faire confiance. Il a du crédit. Lui, tu sais que bon, tu peux lui faire exactement. Confiance. Voilà. Ouais, exactement. Mais pour parler sur... Parce que du coup, là, on arrive au fait qui, vous le qualifiez de litigieux, alors que moi, pas du tout. On arrive au pénalty. Alors, du coup, pénalty, 100%. La faute est dans la surface. Dumfries touche Alexandro dans la surface. Le contact a lieu dans la surface. L'arbitre laisse se prolonger l'action. Pour l'arbitre, c'est pas dramatique. Donc, on peut
parler, si vous voulez, du fait que la faute n'est pas dramatique. Mais le contact a bien lieu dans la surface de réparation. Ça, c'est net, c'est clair à 100%. Voilà, c'est clair et net à 100%. Après, oui, on peut spéculer sur le fait que oui, c'est pas un gros contact et tout ça et tout. Mais déjà, il faudrait revenir sur une chose. Dumfries ne devrait même pas être sur la feuille de match lors de cette rencontre, parce que ce qui s'est passé le week-end dernier face à Lazio, où il a failli tuer Philippe Anderson parce qu'il a continué une action et c'est venu au fond, il a sorti les points. Donc, je comprends même pas pourquoi il est sur la feuille de match. Mais bon, bref, ça passons, c'est une autre histoire. Mais voilà, pour le penalty. Il y a 100% penalty. Et moi-même, en tant que Juventino, je pensais que ce matin, j'allais me faire détruire par tout le monde au niveau de la presse et tout. Et là, agréable surprise, je me lève le matin, les trois journaux principaux d'Italie, Tutto Sport, Corriere dello Sport et La Gazzetta, titrent en gros que le penalty est Fabrizio. Non, mais il a raison. C'est important. La presse. Là, mais parce que c'est bien de spéculer, de faire des débats foot et tout. Là, tu vois, c'est des faits réels. C'est mais écrit, t'as raison. C'est des vrais stats. Tu vois. C'est des vrais stats. Toi, que tu reviendras, sors, tu vois, c'est sûr, pour la série A. On ne peut pas revenir. Bah, lui, il suit au taquet, ça se voit. Ah non, mais il est dessus. Moi, oui, sur ça, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, La Gazzetta, qui est même un journal pour Inter, et d'ailleurs, il y a un petit peu de spéculation sur leur titre, ils disent qu'il y a faute. Et ils disent au final, est-ce que quand même on aurait dû revenir sur la VAR? Donc ça, j'ai pas très bien compris. Mais bon, sinon, tout au sport, le penalty est légitime et le Corriere, le penalty est légitime. Donc à ça, les gars, c'est la revue de presse. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est voilà. Après, c'est pour justifier parce que c'est bien de spéculer. Mais là, voilà, j'arrive avec des faits, donc c'est cool. Ça arrange le Milan, tant mieux pour eux. Et nous, ça nous arrange aussi parce qu'on grimpe au classement. Ça nous arrange aussi, donc tant mieux pour nous aussi. Et franchement, moi j'ai juste écouté. Hein. Naples, bah, était très bien. J'ai servi à rien, j'ai juste écouté. Naples, ça a donné quoi, Naples? J'ai même pas vu. Match nul. Ils jouaient qui déjà? C'était un gros match pour Naples, non? Bah attends, c'était les. Ils jouaient Rome. Ils jouaient Rome, hein. Ouais, La Roma. La Roma. Ouais, et du coup, c'est leur premier. J'ai regardé le résumé. Et Atalanta qui a fait nul aussi, non? Atalanta, je fais match nul au final, je crois. Contre Udinese. Atalanta fait match nul aussi, je crois, contre Udinese. Dernière minute. Bah, du coup, Zach a vu en live hier la clim, justement. Ouais. Quand il a fait son tour d'Europe, il a vu la clim qui s'est passée du côté de l'Atalanta. Ouais, c'était assez drôle. Exactement. Du coup, Atalanta, il y a eu c'est que des nuls à part Milan, quasiment, dans le haut du tableau. Même la Lazio, ils ont perdu aussi, je crois, si je dis pas de conneries. Ils se sont fait fumer quadruplé de ouais, Giovanni Simeone. Ouais, ils ont pris 4-1 par l'Hellas Vérone. Ouais, il n'y a que l'AC Milan, ouais, je crois, qui a gagné honteusement, je ne vais pas mentir. Très bizarre aussi. Avec ouais. Voilà, merci Bruce. Mais Bruce. Non, mais... Elle a gagné honteusement. Deux cartons rouges pour Bologne. Les cartons rouges sont mérités, tu le sais, largement. Ils sont mérités, franchement, après vérification de la VAR, mais quand même, c'est sévère. Non, les rouges sont sévères ou... Attends. Le résultat final, parce qu'ils sont bien battus aussi à 9, okay. Tu vois. Il leur manque trop de joueurs en ce moment. Il n'y avait pas Kessier, t'as pas Hernandez, t'as toujours pas Brahim Diaz. Là, il est négatif au Covid, Théo, donc il va être de retour. Bientôt, il n'y avait pas Maignan. Ibra, on ne va pas se mentir, bon, même s'il marque un but et tout, il n'est pas tout jeune et tu sens qu'il manque un peu d'enchaînement de match, etc. Rebic pas là. Enfin, il y a trop de monde qui manque. Donc, j'avoue, ils ont gagné honteusement, mais il faut les prendre. Mais Bruce, toi, tu Benacer, merci Benacer. Tu dis, il y a trop de monde qui manque, ils arrêtent pas de gagner. Oui, mais là les matchs. Je serais heureux, moi. Oui, mais justement. Mais, attends, oui, mais là, parce que les autres sont à 9. Oui, mais je veux dire, c'est pas le premier match qu'ils gagnent. Ils mènent 2-0 à 11 contre 10, retour des vestiaires, ils prennent 2 buts en 5 minutes, il y a 2-2. Bon. C'est pas normal. T'as raison d'être sévère. J'avais une question, est-ce que ce serait pas un mal pour un bien de sortir de la Ligue des Champions, même voir ne pas jouer l'Europa League? De toute façon, jouer le titre, justement, en Serie A. De toute façon, la Ligue des Champions, on va pas se mentir, sauf gagner les 3 derniers matchs, j'y crois pas trop. Voilà. J'ai toujours un peu d'espoir, mais j'y crois pas trop. Ça semble compromis. Il y a eu un gros vol, franchement, pour être objectif, je vous ai coupé. Il y a eu un gros vol face à l'Atletico, franchement. C'est ce match le tournant. Bah, il a été suspendu en plus, apparemment, l'arbitre. C'est un vol le match. Pourquoi ils n'ont pas annulé le rouge de Kessié? Mais le match est scandaleux. C'est voilà, parce que c'est comme ça. Le Milan pèse pas assez en Europe actuellement. Bientôt, ils retrouveront un peu de leur superbe et ils seront arbitrés comme d'autres clubs qui sont un peu supérieurs. ça marche comme ça. À la hauteur de leur grandeur. La plupart. Pour arbitrer comme Cristiano Ronaldo, il était arbitré ce week-end. De Bruyne. On n'a même pas parlé de ça. De Bruyne. Oui, il doit prendre rouge. De Bruyne aussi. Contre Paris. Si c'est pas De Bruyne, il prend rouge. Si c'est Kessié, il prend rouge instant. Kessié, il fait comme Cristiano, il prend rouge instant. Kessié, il fait moins qu'eux, il prend rouge et eux, ils prennent pas rouge. C'est une vérité. Ouais. Les joueurs et les clubs sont pas arbitrés de la même manière. Ça se vérifie pas tout le temps. Mais sur la durée, t'as un avantage à avoir un top club. Après, voilà. Ça fait partie du folklore du foot, hein, ça. Qu'est-ce que tu veux que ça fait partie du folklore quand t'es du bon côté, quand tu te fais niquer, crois-moi qu'il n'y a pas de folklore.
Il n'y a pas de folklore, ma gueule. Hein. Bah, non. Mais c'est comme CR7 hier. Ah, je sais ce qu'on vient de dire. Ah, ouais. je suis d'accord. Non, mais je croyais qu'il parlait de toi. Je sais. Amine, merci beaucoup, poteau. T'as été énorme. Avec plaisir. Ouais, merci à toi. C'était toujours un kiff. Tu reviendras. Toujours un plaisir. C'est vrai que j'ai été presque déçu parce qu'en général, quand tu viens, tu t'embrouilles toujours avec Bruce. Et là, mais il est content parce que le Milan, il profite du match nul, donc il est super content. Mais le mec, lui, il est content d'avoir pris son nul à la fin. Moi, je suis content de ce résultat. Donc on est tous les deux contents. Pourquoi tu veux nous opposer, Braque, même parce qu'en général, il y a toujours une embrouille. Donc je sais pas, moi, j'ai pas eu. Parce qu'il est jaloux, il veut garder la primeur de toi. Il y aura plein d'autres tournées de Serie A. Il y aura des Juve Milan et on en reparlera. Eh ben écoute, c'est ça. T'es le bienvenu. Merci, Amine. Merci beaucoup. Merci. Juste un petit mot aussi, je sais pas si vous avez vu, mais. Van Bommel a été limogé de son poste à Wolfsburg. En même temps, c'est pas du tout étonnant. Hein. C'est vrai que moi, je le reconnaissais pas du tout. Sur une série de merde. Série horrible, je crois. Ils ont 8 matchs sans victoire, je crois, de suite. Je comprends pas, sachant que justement, la saison passée, c'était censé être limite le quatrième gros en Allemagne. Quoi. Donc, très, très bizarre. Et on va suivre aussi, bien sûr, savoir si Solskjaer va tenir, va résister à la pression qui. Là, c'est fini de tôt, là. Il dégage. Sur son dos, je sais pas, hein, Bruce. Hein, voilà. Lui a dit qu'il veut. Il y avait une info qui était sortie là. J'avais vu comme quoi, apparemment, là, auprès des Glazers, il aurait perdu un peu de crédit et qu'apparemment, il pourrait se passer quelque chose. Mais là, justement, dans la semaine, à mon avis, c'est finito. Là. Je vois pas comment ça peut être autrement. En général, dans ces cas-là, c'est souvent le lendemain. Souvent le lendemain, t'apprends le mec. Oui, mais faut déjà trouver quelqu'un et être sûr. Tant que t'as pas trouvé, tu vas pas dire. Après, t'as Carrick, t'as des gars, tu peux mettre un mec pour assurer la transition. Là, non, ils sont prêts. Ils se disent autant le laisser peut-être un match de plus. Et tant qu'ils ont pas leur mec sûr, leur entraîneur, bah voilà. Et je pense que c'est fini de tôt là. Bon, de toute façon, on suivra ça de très, très, très près. Allez. Question private, juste avant de vous faire découvrir bien sûr le classement du Pronogate. Oh misère. Quel est le club formateur du défenseur français Ibrahima Konaté, qui a été très très bon d'ailleurs ce week-end, faut le dire. Voilà, vous répondez sur le chat et le plus rapide repartira avec ses free bets offerts par notre partenaire PMU. Jingle. Oui, la bonne réponse était Sochaux, bien sûr, un club qu'on adore et qu'on espère retrouver un jour en Ligue 1, bien sûr. J'aimerais bien Sochaux à l'ancienne. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Alors, non, moi aussi, j'aimais parce qu'on connu la Division 1 et pas la Ligue 1. La D1, ça leur parle, quoi, Sochaux. Non, mais c'était le club. Eddie Richert et compagnie, où c'était déjà la Ligue 1, mais ils envoyaient un petit peu. Hein. Ouais. Non, mais c'était un club qu'on aimait parce qu'en fait, t'avais l'impression que c'était un club qui se battait avec ses moyens, qui n'était pas trop, tu vois. Et franchement, c'était bien de les voir jouer. Les amis. Bien sûr, le Pronogate, on a un petit peu changé nos habitudes parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se demande qui a marqué un point, qui avait mis quoi la semaine passée. Il y a des tensions. Voilà, il y a souvent des tensions, ça crée un petit peu le flou. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se remettre un asset qui va nous montrer qui a mis quoi la semaine d'avant. Comme ça, on aura les points, on aura tout. Et après, on va voir justement où on en est maintenant. Vas-y, Juano, je te laisse nous balancer la sauce. Voici les résultats. Pourquoi il y a un rat de mon côté? Ah, il y a un rat. Ah ouais, j'avoue. Mais pourquoi j'ai un rat? Il est beau, le rat. Mais pourquoi on met un rat? Bruce qui se demande pourquoi on a mis un rat. T'es sérieux, toi? Bah pourquoi j'ai un rat? Vous vous foutez de moi, là, j'espère. Énorme. La régie, vous êtes... C'est Juano, ce fumier, là, encore. C'est sûr. Donc, tout le monde a placé son combi, en fait. Donc, tout le monde a passé son combi, sauf Zach. Zach, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi t'as pas donné ton combi? Alors moi je soupçonne un petit peu de racisme, voilà, fallait que je le dise. J'ai rien envoyé, je suis un gros con, j'ai rien envoyé. Ah t'as pas envoyé? Ah c'est con, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Franchement là, t'as rien envoyé, normalement c'est moins un point même. Bah moi je dis Juano, t'as mal fait ton taf. Oui, moins 10 aussi, non? Non mais là moi je dis c'est moins un point pour Zach. Bruce, c'est déjà dur, il a pas donné son combi. Je suis déjà sanctionné par le fait que je n'ai pas pu jouer ma chance. Mais ça, c'est pas mon problème, ça. Non, parce qu'en soi, les pronos ont été envoyés. C'est pas comme si j'avais rien envoyé. Moins un point. Arrête. Là-haut, c'est les points de la semaine dernière, on est d'accord. Exactement. Okay. Là-haut,
la hausse et les points de la semaine dernière. Donc, tout le monde avait passé son combi. Vamos voici, on gagne des places. Ah oui, je descends. Ah, il y a Zal qui te colle. Hein. Voici le nouveau classement du Pronogate. Kanto qui gagne des places, hein, qui remonte le FC Guest, qui passe devant Bruce et Zach. Zach qui dégringole au classement. Non, mais le FC Guest, c'est une honte. Il gagne grâce à mon combi parce que je leur ai donné 2 points. C'est vrai, c'est des fraudes. Bah, tu me diras qu'ils auraient pu choisir n'importe qui à part ça qui gagnait. Hein. Mais toi, là, t'as placé que le combi. Hein. Moi, j'ai placé juste mon combi et mon combi, c'était la plus grosse cote. Donc, j'ai placé un plus 3. Et franchement, heureusement, parce que sinon, là, j'aurais eu très, très chaud aux fesses. Hein. Là, j'étais égalité avec Kanto, je crois. Ah, je suis peut-être à 20 points. Hein. Il me reste un combi encore. Ah, il n'y a rien du tout. Toi, il a oublié ton combi. Il est enterré déjà. Un combi. Il nous parle de ça depuis 3 mois, l'autre. Ah, ouais, bah, c'est bon. Ah, ouais, j'en peux plus. Vas-y. Faut tourner la page. À chaque émission, je vais le rappeler. Même Juano, je lui dis à chaque fois, il en peut plus. J'avoue, elle passe à autre chose, frère. Arrête-toi, c'est ta peur de ta croix. Mais tu nous as saoulé avec ton combi, frère. Ça fait 4 semaines. Ah ouais, tu l'en fous, tu nous en parles toutes les semaines. Tu radotes là un peu. Mais il joue quand, bordel? Il joue quand? Ça fait marre. Bon, regardons les matchs de la semaine qu'on a choisis. Soyons un peu sérieux. Alors, Juano, on a un Lyon-Lens, très gros match, très grosse affiche, c'est clairement l'affiche de la prochaine journée de Ligue 1. Leicester-Arsenal, on a pris 2 matchs de Première Ligue, hein, parce qu'il y a quand même 2 affiches. Tottenham-Manchester United et Bayern-Leverkusen-Wolfsburg. Je demande qui a mis Manchester. Zach Lani, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis beaucoup de merde. J'ai mis Lyon gagnant, voilà. J'ai mis pour faire plaisir à mes Gunners une victoire d'Arsenal parce que vous êtes en bonne forme, donc j'ai envie de croire en vous. J'ai envie qu'on soit heureux ensemble la semaine prochaine. Je mets nul Tottenham Manchester parce que Manchester sont nazes, mais alors Tottenham c'est bien bidon aussi, donc je vois bien un bidon Ico qui donne un bon nul. et Leverkusen Wolfsburg, je mets Leverkusen parce que je crois au dénommé Moussa Diaby. Qui, je pense, va pouvoir apporter quelque chose de certain. Voilà, voilà. Très bien. Leverkusen. Ce sera la Zach Zone pour... la Zach Zone. Attends, on n'a pas vu le combi encore. Préparez-vous. Bruce Gradek. J'ai mis Lyon, voilà, parce que je pense qu'après ce qui s'est passé ce week-end, ils doivent absolument le prendre. Mais attention, parce que ça peut se retourner contre eux, justement, parce qu'on sait qu'en plus, Lens, c'est une équipe qui est très dure à jouer. Mais bon, j'ai quand même mis Lyon. Ils reçoivent Leicester-Arsenal. Arsenal, ça va mieux. Leicester aussi, ils ont quand même enchaîné là quelques matchs et des matchs importants. Donc voilà, je crois plus en Leicester. Parce qu'Arsenal, quand on les bouscule en général défensivement, ça peut être difficile. Et on sait qu'il y a des joueurs très filous à Leicester. Je pense à l'immense Vardy notamment. Oui. Voilà, donc je pense que c'est le genre de joueur et d'équipe qui peut faire mal à Arsenal. Nul Tottenham-Manchester United, 2 équipes qui ne vont pas très bien. Voilà, j'ai du mal à me décider. Donc Tottenham et puis Leverkusen, la forme du moment, il n'y a pas photo. Wolfsburg, ça va vraiment pas bien. T'as envie de dire quelque chose, toi? Je te vois en train pas de sourire. Tout. Pas du tout, non. Tu m'as regardé bizarre dès le début, t'as pensé à quelque chose. Je te connais par cœur, moi. Tu me diras après, je te connais trop. Tu m'as regardé dès le début, dès que je te connais par cœur. Ouais, mais je te connais trop. Tu me diras après, je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Je sais pas, t'as eu un regard chelou là. Le pire, c'est qu'il a raison. Bah oui, mais moi, on me l'a fait pas. Vas-y, c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Putain. Le blanc. Alors, j'ai mis l'OL. Je l'ai pareil pour les mêmes raisons que Bruce. Je ne les vois pas rater un second match d'affilée. Et là, c'est vraiment gagner à domicile. Et en plus, à domicile, c'est assez performant. Ensuite, j'ai mis Leicester. Leicester, oui, bien sûr. Leicester, parce que pour les mêmes raisons. Après, c'est vrai qu'Arsenal, ils reviennent bien. On ne va pas se mentir que ça va beaucoup mieux pour eux. Tu les vois, tu les vois finir devant United à la fin de saison? Ah, vas-y, c'est Arsenal, un gamin, lui. Il y a des chances. Hein. J'aurais plus de respect. Franchement, il y a de fortes chances. Enfin, je les vois peut-être revenir, mais bon, je mets quand même Leicester à domicile. Ensuite, Zach a raison. Ouais, c'est Zach. Vrai que Tottenham, c'est pas fou. Mais Manchester, c'est tellement mauvais que là, je crois que ce sera le dernier match d'Oleg. Oleg. Donc, je mets Tottenham vainqueur à domicile et Leverkusen pour la forme du moment, en sachant qu'ils jouent à domicile. Donc en soi, j'ai mis, à mon avis, tout le monde. Ouais, c'est ça, tout le monde à domicile en mettant les meilleures cotes. Et bientôt la pole position. Ok, d'accord. Zal, il est vraiment en mission. Hein. Il veut pas nous lâcher.
Ah ouais. Il a pris les cotes, les favoris, bim. Ah ouais, c'est pas posé de question. Quanto, il a choisi l'OL, Leicester, un peu comme tout le monde. United, là, ouais, il croit quand même. En vrai, c'est le genre de match. United peut le prendre aussi. Hein, là, c'est. Normal, hein. Et Leverkusen, très bien. Et du coup, moi, je vous propose l'OL. Arsenal. Arsenal. Misère de misère. J'ai toujours été supporter d'Arsenal, donc. Je rigole. J'ai fait exprès. Non. Arsenal, t'étais supporter à un moment. Je rigole. On va retrouver des vieilles vidéos. Non, je rigole. J'ai jamais été supporter d'Arsenal. Non, Arsenal, du coup, contre Leicester, parce que comme vous l'avez si bien dit, j'aime bien ce qui se passe à Arsenal en ce moment. Ça a été très très dur, hein, vraiment, ces derniers temps. Mais why not, gros match, peut-être un match test justement pour eux. Donc voilà, je prends un petit risque. United contre Tottenham, parce que même si United a été cataclysmique hier, ça reste United et c'est comme ça. Et je les sens quand même toujours au-dessus de Tottenham. Je sais pas ce que nous fait l'éclairage là. Ouais, ils nous envoient des messages. J'ai faire une crise d'épilepsie. Ah ouais, j'ai eu peur là. Et Leverkusen, comme tout le monde, Leverkusen face à Wolfsburg. Donc voilà, finalement ça va pas jouer à grand chose hein, sur les pronos. Hein. C'est surtout sur Leicester Arsenal et Manchester Tottenham. Hein. Les deux autres, c'est rien. Il y a les combis aussi. Hein. Et il y a les combis. Belle transition. Oh, arrête avec ton combi. Je suis parti full int. Quoi ? Je suis parti full int. Ah, qu'est-ce que t'as mis C'est Zach qui est à 6 ? C'est Kanto ? Attends, Zach, 8-50, Zach ! Stuttgart ! Ouais, laisse tomber, gros. Et nul ! 8-50, ouais. C'est un record, là. Ah, c'est un ouf ! Je crois que t'as battu un record, non, mais il voulait la cote. Non, mais moi, je vise la première place, moi, tu vas voir. Nice-Marseille, je pense qu'il y aura nul. Et Stuttgart, parce que ça faisait flow. Voilà. C'est quoi ce combi ? Eh, c'est incroyable. S'il passe, bravo. Ok. Alors, bien sûr, le sondage est parti sur le chat. Hein. Est-ce qu'on peut remettre tous les combis pour que choisissez pas, les gars, ce coup-ci. Là, j'en ai marre de vous donner des points. S'il le passe. Non, mais s'il vous plaît, ne me choisissez pas. Écoute, il aura un point en plus, Zach, quoi qu'il arrive. Non, mais genre 4 points. Ouais, c'est bon, pousse non, pas. Non, 3 points, non, c'est non, bien. 3, c'est bien. Alors, bien sûr, le FC Guest sur le chat, vous choisissez le combi qui vous inspire le plus. Et ce sera donc le combi qui passera. Et Zach est bien devant avec 74%. Vamos, c'est le combi c'est Zach qui c'est cette écouté semaine que je n'ai pas ces fraudes du chat. Vous avez choisi mon nom. Vamos. Ouais, ils ont choisi ton combi, ouais. Parfait. Ils ont choisi ton combi. La semaine prochaine, ils sont dans le rétro, le chat. Des fois, les j'aime ça, les mecs. Vous avez du cran. Vous avez du cran. Ah ouais, ensemble, on va gagner ces points. Dans le rétro, le chat. Ils se sont chauffés. Alors, Bruce, il nous a mis Manchester City, Leicester et Leverkusen. Donc, ok, d'accord. Tous les favoris, quoi. Comme bah, non, non. J'ai fait un truc à 5. Il est dur de 50, Leicester. Et qui, c'est, pour c'est, moi, moi je vois plus Leicester. Ok. Voilà, je suis resté sur ma logique. Ah. Okay. Je sais pas ce qui se passe dans cette émission, mais vite et vite, allons sur la fin. Zal, toi, il est 7h et Marseille. C'est ça. Ok. J'ai confiance en Marseille. J'ai confiance en Marseille à l'extérieur. En sachant que Clermont, c'est quand même costaud chez eux, mais. Et en plus, Bayo, il y a des histoires. Je sais pas si vous avez vu. Ils l'ont attrapé dur. Ah, j'ai pas regardé. Ouais. Je crois Il a fui en fait. Route, il a causé un accident. Il était en état d'ivresse et il s'est barré. Il a essayé de se tailler. Il s'est avec fait un attraper. Gramme d'alcool. Ouais, c'est chaud. Kanto, il nous a mis Marseille face à Clermont, Nîmes face à Niort et le Real. Il est trop classique son truc. J'avoue, il n'y a même plus un petit jumbo c'est Motors. Je suis déçu. J'avoue, pareil, je suis un peu déçu. Oh, c'est laid de ouf. Ah, c'est horrible. Et moi, je vous propose Leverkusen face à Wolfsburg, Monaco à l'extérieur face à Brest et l'AC Milan. Enfin, lui me prend par les sentiments parce que d'un côté, je veux que son combi passe juste pour Milan. Quoi, eh ben oui, Brice, il va falloir être avec moi. C'est chiant. À chaque fois, tu fais des DR. Ton combi, il est pas mal. J'aime bien ton combi. Je l'aime bien aussi. Tu disais, Zach ? T'as dit que t'aimerais que son combi passe pour Milan, mais après il peut y avoir le beau résultat pour Milan et le reste peut se fracasser la gueule. Ah, mais c'est ce que je souhaite du plus profond de mon âme, hein. Ça t'inquiète pas. Quel gamin. Ah ouais. Bon, eh bien merci tout le monde. C'était très très cool vraiment de vous entendre tous dans l'émission. Hein. Merci à tous ceux qui sont passés, bien sûr. Neven, bien. Franek, Amine, Benzemajid aussi. Hein. Merci d'être venu. J'espère que j'en oublie pas. Kanto aussi, merci. Hein, le quiz. Mais non, les gars, vu qu'on est trois en plateau, oui. Ce qui fait le quiz, c'est que pour deux personnes. Du coup, quand on est trois en plateau, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Et oui. Ça reviendra quand on sera quatre en plateau. Le quiz reviendra, vous inquiétez pas, il y en a déjà un prêt.
Très bien, parfait. Il reviendra comme les personnes qui sont passées dans cette émission précédemment. Exactement. Il y a autant de... Voilà, c'est ça. Du coup, c'est fiable. Merci, Zach. Merci, passe une bonne soirée. Merci à tous. Merci à Bruce, merci Zal, et on se retrouve lundi prochain. Salut à tous. Ciao, ciao.